Notre première préoccupation. Et puis la, la seconde préoccupation, c'est qu'on ne produit rien de, de tangible, on ne produit pas de produits. Ce qu'on ce qu ce qu fait, c'est qu'on travaille avec le cerveau des collaborateurs. Et en réalité, je pense que euh, ce, qui, ce qui est important pour nous, c'est plus que là où on travaille, parce qu'on est déjà dans des modes de mobilité, de technologie, on a de la 5G qui arrive, on a du cloud, on a des plateformes collaboratives. C'est plutôt quel est le travail que, Comment travaille-t-on que produit-on avec le travail Que veut-on produire et Je pense que trop souvent, on parle de lieu de travail et je pense qu'on est au démarrage d'une transformation du type de travail. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui c'est d'être dans cette phase d'expérimentation, d'apprentissage, de pousser le modèle jusqu'au bout, un peu dans un mode Silicon Valley, pour pouvoir effectivement aller au bout de cette approche totalement virtuelle. Juin 2021, c'est. C'est pas demain. Euh, non, non, très bien. Dans ce que tu dis, il y a des choses que je trouve très intéressantes parce qu'effectivement, de nombreuses entreprises repensent leur modalité de travail. Ça a une incidence directement sur les collaborateurs, sur leur façon d'envisager de, leur travail, mais aussi sur leur façon de consommer. Et on se rend compte que le télétravail à grande échelle a des incidences sur d'autres secteurs d'activité en dehors de l'entreprise qu'on n'avait pas forcément anticipé. Est-ce qu'il y a des, euh, des choses comme ça que vous avez pu constater aussi Alors, on parle beaucoup, euh, aux États-Unis, on parle beaucoup de la crise des, des magasins de sandwich, centre-ville. Et je pense qu'il y a une réflexion plus globale de l'aménagement des villes qui va arriver assez vite. Parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre d'entreprises américaines ont réduit leur, euh, leur engagement de bureau. Je pense à Instagram, par exemple, qui, a, qui, a, qui, est, qui est sorti de commitments importants sur, euh, sur des surfaces de bureau. Donc, il y a moins de transport également, donc il y a moins de pollution, il y a moins de, de déplacement des collaborateurs d'une façon générale. Donc on voit qu'il y, y a moins aussi d'usage de peut-être de codes formels, de types de costumes ou de, de modes de fonctionnement. Quand on est chez soi finalement, on travaille peut-être, on, on est peut-être différent de, de, des codes sociaux qu'on avait au bureau. Donc effectivement, il y a plein de changements qui sont en train de prendre forme. Ce qui est intéressant, c'est euh, vraiment d'observer ces changements et de se dire euh, euh, finalement. Euh, on arrive dans un monde qui est beaucoup plus divers, je pense qu'avant, qui était le, le bureau tel qu'on l'a connu euh, au XXe siècle, l'âge d'or du bureau, normé, les tours de bureau. Euh, je pense que cet âge-là est quand même derrière nous. On en sort et on va dans un monde qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus agile, beaucoup plus transparent. Euh, et donc il y a les, codes, les codes, et les tenues, les, les façons d'être vont vont s'adapter plus à l'humain qu'à l'attendu du bureau qu'on avait auparavant. Et chez Wacam, où on fait justement de l'assurance, on se rend compte que euh, de plus en plus, on va vers cet univers de l'assurance à l'usage, puisque bah, aujourd'hui, euh, on va prendre un VTC, aujourd'hui, on va prendre euh, un vélo qu'on va louer pour euh, 15-20 minutes, et on, on, on a ce besoin aussi de se dire, bah, comment est-ce que... Nous, on va assurer dorénavant les gens dans cette économie à, à l'usage. Et, et effectivement, par rapport au travail, on va plus avoir besoin de posséder euh, des, des locaux, on va plus avoir besoin de posséder des voitures, on va plus avoir besoin de, de faire tout ça. On va avoir cette capacité-là justement euh, de pouvoir se dire bah, je, je prends juste pour quelques, pour quelques minutes. Et, et, et pour continuer sur la, partie, euh, sur la partie télétravail, effectivement, on a besoin aussi euh, d'arriver à euh, faire en sorte que les managers euh, qui, eux, vont se retrouver dans des situations où bah, ils ne vont pas avoir forcément leurs collaborateurs comme ils avaient l'habitude d'avoir dans des points d'équipe, euh, en présentiel. Il ne va pas y avoir tout ce passage euh, de, euh, bah, de, de ces éléments corporels qu'on va voir, euh, qui, qui sont 90% souvent du message, dit-on. Euh, et euh, d'arriver à remplacer ça par des rituels, de faire en sorte qu'une euh, fois par semaine, nous on fait ça euh, chez, chez Wacam, une fois par semaine on voit et on réunit l'ensemble des collaborateurs pour voir comment ils vont, euh, on fait des sondages pour s'assurer que euh, bah, les gens vont bien parce que télétravail c'est une chose mais le moral euh, effectivement quand on est chez soi euh, qui fait euh, 40 degrés euh, et qu'on est enfermé dans 20 mètres carrés, la situation n'est pas toujours facile et Parfois, on a envie d'être au bureau où c'est climatisé, où on peut avoir des relations sociales. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on invente justement ce, ce monde de demain où il va y avoir probablement un mix entre les deux. Oui, tout à fait. Et, et c'est vrai que je pense qu'effectivement, comme tu le soulignais, les, les principaux enjeux de ces nouveaux modes de travail, ce sont aussi les, les enjeux manageriaux. Euh, je pense qu'effectivement, l'entreprise a, 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 a nécessairement besoin d'évoluer. Euh, et parmi ces évolutions, on peut se demander aussi quels sont peut-être ses obligations ou sa responsabilité vis-à-vis -vis des salariés, parce que euh, c'est aussi déstabilisant, je pense, pour un chef d'entreprise de se retrouver avec 100% de son équipe en télétravail que ça l'est pour un salarié de se retrouver dans son salon avec les enfants qui font leurs devoirs sur la table de la cuisine. Exactement, ça va être un vrai besoin d'arriver à comprendre effectivement ce que fait chacun. Il va y avoir un besoin d'empowerment, comme on dit en bon français. Euh, de faire en sorte que les managers euh, aient la capacité de comprendre euh, dans la chaîne hiérarchique l'ensemble des besoins à la fois d'au-dessus et à la fois d'en dessous pour faire en sorte qu'ils euh, soient des vrais courroies d'entraînement et je pense que le manager, le, le manager de terrain euh, va être la clé, justement, de la réussite de euh, ce mode mixte, euh, qui à la fin sera euh, du télétravail partiel et du présentiel partiel. Et on se rend compte, justement, bah, aujourd'hui, quand on est dans, dans des salles de réunion, qu'il y a cinq personnes en réunion et cinq personnes en télétravail, euh, de toute la complexité, justement, d'arriver à faire du physique et du digital les deux en même temps. Parce que bah, ceux qui sont à distance sont forcément un peu plus loin, vont pas voir à quel moment prendre la parole, vont pas voir, et, et il va falloir qu'on définisse, justement, dans le futur, les codes de. Comment est-ce que ce, ce, ce mode mixte doit fonctionner On a la réputation d'ailleurs en France d'avoir un droit du travail qui est assez rigide. Euh, je me demandais, est-ce que les entreprises sont sur un pied d'égalité Est-ce qu'on est bien armé En tout cas, est-ce que les entreprises françaises sont bien armées justement pour passer au télétravail Je pense que les, les entreprises françaises ne sont pas moins armées ou plus armées que les entreprises d'autres pays. Je pense qu'on est tous en train de découvrir euh, ces nouveaux modes. Ce qui est vrai, c'est que. Euh, la question, c'est comment faciliter le montée en puissance du télétravail, qui est une forme inévitable de travail, comme tu le dis, qui va sans doute prendre entre 30, 50, 70 du, du travail. Donc, c'est ça va devenir une partie extrêmement importante de nos modes de fonctionnement, sans doute pas exclusive, mais en tout cas dans un modèle hybride. Je crois qu'il y a des questions de confiance euh, par rapport au travail du collaborateur. Euh, je pense qu'on a ce réflexe un petit peu ancien de réunir les gens dans des bureaux. Quelque part, on fait beaucoup de réunions. Je pense qu'il y a un peu un syndrome de la réunionite parfois, de présentiel et de la réunionite. Euh, et puis, on a, on a ce sentiment de vouloir contrôler ce que font les collaborateurs. Donc, sans doute qu'on va passer dans un mode plus ouvert en matière de communication. Nous, on voit chez cela que les, les échanges digitaux sont beaucoup plus nombreux. Et donc, si en tant que manager, je veux regarder ce que font mes équipes, je n'ai pas forcément besoin de faire une réunion de travail pour leur demander ce qu'ils font. Je veux simplement aller dans des canaux collaboratifs. Et regarder ce qui a été publié en matière d'activité, en matière de travail d'équipe. Euh, donc, quelque part, j'ai un mode de management qui est beaucoup plus euh, indirect, d'accompagnant. Euh, et ça, je, je crois que ça va se refléter quelque part. Ça doit se refléter dans les, dans les contrats de travail, dans la façon dont on approche le travail. Je crois qu'il y a un besoin d'avoir une grande confiance par rapport aux collaborateurs. On a des collaborateurs intelligents et bien formés en France. Donc, ça veut dire comment on utilise leurs capacités plutôt que de les contrôler. Mais de, leur, de les aider à progresser, à être plus créatifs, à avoir plus d'idées innovantes, à travailler plus en équipe, euh, de façon plus agile, aussi que les collaborateurs comprennent mieux la stratégie de l'entreprise, donc soient plus moteurs eux-mêmes à leur niveau euh, de, 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 du travail que le management qui va impulser effectivement cette, cette direction. Je crois qu'on est plus sur un mode plat aujourd'hui d'organisation que que ça a été dans, dans le cas dans le passé, ça c'est très intéressant en matière de productivité, d'engagement des collaborateurs. Et ça contrebalance un peu le fait de dire on se voit peut-être moins qu'au bureau, mais que si on comprend là où est l'entreprise, si on comprend ce que font les autres, si on est capable de s'aligner, on est capable à ce moment-là, effectivement, d'être motivé, et donc on peut produire, même si on est à distance des autres personnes de l'équipe. Après, pour, pour revenir sur le droit du travail, effectivement, je pense que là, euh, la réalité a été beaucoup plus vite que le droit. Euh, C'est euh, en théorie, tu es censé avoir un accord de télétravail euh, que tu as signé avec tes collaborateurs. Euh, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées du jour au lendemain à dire bah, :« Plus personne n'a le droit de venir au bureau. Comment est-ce que je vais faire avec mon courrier Il va falloir que je le dématérialise. Comment est-ce que je vais faire avec tout ce qui est encore du papier ?» euh, Effectivement, on a la chance d'être dans des entreprises, enfin chez Wacom en tout cas, euh, qui sont complètement digitalisées. Euh, mais il y a encore beaucoup d'entreprises où bah, le, le bon vieux papier est encore là. Euh, et euh, ça, c'est des vraies problématiques qu'on va avoir de même que pour le télétravail. Euh, les collaborateurs qui se sont retrouvés du jour au lendemain en télétravail, alors souvent ils avaient juste un PC. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas dans la salle, mais beaucoup travaillent avec deux écrans. Beaucoup n'ont pas forcément chez eux d'endroit pour surélever, pour pouvoir, ne serait-ce que de se mettre quand on, quand on vit à deux dans le même appartement et qu'on est obligé d'être à deux. Il y en a un qui va potentiellement pouvoir prendre la table, mais quand on passe un coup de fil, comment ça va se passer Est-ce qu'on va donner des casques aux collaborateurs Enfin voilà, chez, chez Wacom, on a eu, on a pris l'initiative de distribuer du matériel à ceux qui en avaient besoin pour faire en sorte que le télétravail se passe le mieux possible, ça peut être une chaise, ça peut être un bureau, ça peut être des choses comme ça. Oui. Je comprends que sur tous les sujets d'équipement ou de euh, productivité des salariés, il y a beaucoup d'outils et de solutions qui existent. Maintenant, si on regarde l'autre partie de la question et un petit peu le, le fun, comment est-ce que ça fonctionne Comment est-ce qu'on permet à des collaborateurs, effectivement, de retrouver un petit peu cet esprit d'équipe, ces émulations qu'on peut avoir, euh, une bonne ambiance de bureau en étant chacun dans son appartement je pense que ça passe par des rituels. Encore une fois, on a besoin de se dire régulièrement, on se retrouve, nous, le mardi matin, systématiquement, on fait le point avec l'ensemble des collaborateurs. Alors ça fait des, des, des grands Zooms où on demande bien évidemment à tout le monde de couper son micro. Euh, pour faire en sorte qu'il n'y euh, bah, ait, euh, ait, ait pas trop de bruit. Mais c'est à ces moments-là qu'on va passer les messages, que chacun va pouvoir intervenir, qu'on va euh, parler de l'actualité, euh, du changement de marque. On a changé de marque hier, euh, on a réuni l'ensemble des, des équipes pour changer de marque. Et ça, c'est des, des moments fun qui doivent, euh, qui, qui doivent rester et on doit pouvoir le faire dans ce nouveau mode mixte euh, de, de télétravail, effectivement. Je crois que là, la... enfin, on voit toutes ces nouvelles euh, formes de collaboration digitale. Qui finalement augmente le nombre d'interactions qu'on a entre nous. Euh, et est-ce qu'il y a du fun dedans Oui, il y a du fun. On utilise chez nous beaucoup les emojis, donc on a on a plus de feedback, de réaction des personnes. On a plus de dialogue, on a plus d'échanges. Euh, C'est aussi plus ouvert à, à tout type de collaborateurs. On a des personnes qui peuvent avoir des problèmes de, de mobilité ou des, euh, des, euh, des des aspects qui sont peut-être différents. Donc euh, je pense que sur les plateformes digitales, on, a finalement, on est plus ouvert, on a plus d'interactions et in fine, euh, ça, je pense que les gens rentrent assez facilement dans ces plateformes parce qu'on s'est inspiré des, des plateformes de grand public. Donc c'est très facile à prendre en main. Euh, C'est fun, on publie des messages, on se répond, on s'échange. On peut créer des canaux qui sont euh, semi-privés avec des thématiques. Je ne vais pas parler des canaux sur les chats, les chiens, etc., mais euh, les équipes de foot. Mais je pense que les collaborateurs, ils ont, ils ont besoin d'avoir ce lien euh, digital. C'est quelque chose qu'on utilise de façon très fréquente dans notre vie euh, personnelle, avec des outils comme Facebook, euh, WhatsApp, etc. Je pense que le monde du travail aujourd'hui ne fait simplement que suivre ce modèle. Et euh, ça, ça n'empêche pas les interactions et les rencontres présentielles. C'est simplement, c'est pas l'un ou l'autre, c'est finalement une façon de construire des relations euh, multi, euh, multiformes avec des personnes qui ne sont pas forcément euh, proches géographi géographiquement, avec qui on peut avoir des échanges extrêmement riches. Et puis je pense qu'il y a aussi un côté moins formel dont je parlais, qui fait qu'on euh, peut faire des réunions virtuelles en laissant les gens parler, en ayant du feedback, en... En, en, en faisant en sorte que les personnes s'expriment, et ça recrée énormément de liens et de, de cultures communes. Euh, donc moi, je suis très positif par rapport à ces nouveaux modes digitaux, évidemment, puisque je, je travaille dedans, mais je les vois au quotidien dans les entreprises qui les adaptent. Euh, en réalité, on a, on a vraiment un bon retour de, du côté fun, euh, et encore une fois, ça remplace pas les, les apéros réels ou la machine à café. Mais euh, je pense que c'est euh, complémentaire. Tout ça, c'est complémentaire. Oui, et, et ça, ça correspond aussi à une vraie envie des salariés. Il y avait une vraie demande. Euh, le, le télétravail, c'était utilisé jusqu'à présent pratiquement comme un, un instrument de recrutement. Et puis, euh, j'imagine que ça va, ça va se développer encore. Nous, quand on demande, aux, on a des, en, des enquêtes. Je vous, en, je vous invite à aller sur le site de Slack France. On publie un certain nombre d'études et de, de choses plus, euh, plus, plus euh, complète sur euh, ces phénomènes de transformation. Mais la dernière enquête qu'on a faite, 80% des collaborateurs, c'est une enquête internationale, euh, veulent rester dans des modes hybrides de télétravail. 12% des collaborateurs veulent aller 100% au bureau. Donc ça montre bien que la, la bascule est déjà faite. En, dans la tête de, des collaborateurs, on est déjà passé dans un monde hybride. Et la question pour les entreprises, c'est comment finalement faire en sorte que ça marche. Et souvent, la réponse est déjà dans l'entreprise parce qu'on a déjà des personnes qui sont, euh, qui sont expérimentées, qui sont à l'aise par rapport à ces plateformes. Donc, je pense qu'en interrogeant, les, en regardant ce qui se passe dans l'entreprise, dans les équipes, la façon dont les gens utilisent les outils numériques, on a déjà beaucoup, beaucoup de réponses. Une direction des ressources humaines peut être très, très moteur par rapport à ces changements parce qu'elle elle a en son sein de l'entreprise des gens qui sont déjà avancés. Autant utiliser ces champions de la transformation digitale pour que l'ensemble des collaborateurs puissent rejoindre le train en route. Et effectivement, l'important, c'est le feedback, c'est d'arriver à demander à l'ensemble des collaborateurs qu'est-ce que vous pensez euh, de l'évolution, comment est-ce qu'on va travailler ensemble. On est en train de travailler sur un plan stratégique euh, chez Wacam, sur euh, bah, notamment un des streams, c'est la vie sociale, comment est-ce qu'on va transformer notre vie sociale qui ne sera plus la même, effectivement, quand on sera euh, complètement ailleurs. Euh, Aujourd'hui, euh, typiquement... Euh, le, le, un, un sondage nous a donné 96% des collaborateurs qui étaient satisfaits de la façon dont s'est géré le confinement parce que bah justement on, ré, on est resté en contact, on a donné la possibilité euh, aux gens d'être à distance mais tout en ayant des outils qui fonctionnent, tout en ayant la capacité de se voir quotidiennement, tout en gardant un certain nombre d'habitudes et c'est ça ce qu'il va falloir qu'on travaille dans le futur aussi pour faire en sorte que ça s'améliore encore. Très bien, je vous remercie beaucoup tous les deux. Je n'ai pas du tout regardé le moniteur qui était devant nous et qui nous indique depuis un certain temps qu'on a, a épuisé et dépassé le temps qui nous était imparti. En tout cas, si je dois retenir quelques mots de, de cet échange, c'est la flexibilité, peut-être l'agilité aussi et la communication. Absolument. Merci beaucoup. Merci, Merci à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à tous sur ce panel dont le thème est Is Fintech the fastest way to exit. Merci à tous, n'hésitez pas pour ceux qui sont debout, vous rapprocher et vous installer à l'ombre si possible. À droite. Merci beaucoup aux participants de ce panel d'avoir accepté d'être avec nous. Donc parmi nous, on a Nicolas Rebou, cofondateur et CEO de Shine, euh, Noéobank qui a été racheté récemment par la Société Générale, banque euh, dédiée aux PME et aux freelances. Bonjour. Et Philippe Emrich, directeur général délégué du groupe Société Générale, qui vient donc de procéder au rachat de Shine. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté d'être parmi nous. L'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment ça se fait que dans les FinTech, on a autant d'exits en Europe, autant d'exits aussi rapides. Et en introduction, du coup, je voudrais rappeler un peu la trajectoire éclair de Shine, euh, une société qui a été créée en février 2018, qui a levé des fonds euh, 8 millions en fin d'année 2018, qui a relevé 2,5 millions en 2019, euh, puis s'est euh, faite racheter par Société Générale en 2020, à un moment où vous aviez 70 000 clients. Et donc, donc vraiment une croissance très rapide qui fait écho finalement à ce qu'on voit dans le marché avec de plus en plus d'exits de, de, FinTech en Europe. On compte sur les six dernières années une valorisation de 83 milliards d'euros si on réunit toutes les sorties FinTech européennes qu'il y a eu sur les six dernières années. Donc on, on pense bien sûr en tête, on a cette IPO d'Adyen à plus de 7 milliards d'euros et le rachat de iZettle par Paypal pour euh, près de 2 milliards de dollars. Pourquoi les FinTech euh, arrivent à, à, à croître aussi rapidement en Europe Comment font-elles pour euh, réussir leurs exits euh, J'aimerais vraiment te poser la question, Nicolas, déjà, sur, sur quoi tu te concentres quand tu crées une société comme Shine Quels sont les KPIs que tu vas regarder en premier lieu On sait que euh, la rentabilité, ce n'est pas le fort des FinTech en Europe. Donc, quels sont les, les, les chiffres clés ou les, les, les achievements que tu vas, sur lesquels tu te concentres quand tu, quand tu fais grossir une boîte comme Shine jusqu'au rachat de Société Générale bah, En fait, tous les, tous les KPIs ont un... Être un faisceau d'indicateurs qui prouve qu'on a mis à jour un besoin important et que qu'on l'a satisfait correctement. Le, le point de départ de Shine, ça a été de se rendre compte que les, les indépendants, les petites entreprises, etc., euh, avaient beaucoup de mal avec le poids administratif des démarches qu'ils avaient à remplir. Faire ses factures, trouver les mentions légales, trouver un expert comptable, collecter ses reçus, etc. Tout ça, c'est très lourd. Euh, et il n'y avait pas vraiment de réponse adaptée. Et en continuant à réfléchir à ce projet, on s'est rendu compte que construire notre produit autour du compte pro, ça permettait d'être au centre de toutes les interactions et de faire un produit plus intuitif, plus instinctif, plus en temps réel. Et là, on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas forcément satisfaits de leur compte pro. Ils étaient de plus en plus habitués à des expériences très fluides, très efficaces pour le compte perso, avec la vague des banques en ligne, puis la vague des nouvelles néobanques, etc. Mais sur la partie pro, ça n'avait pas encore pris ce pli. Et donc, le mélange des deux, ça nous a permis de lancer Shine et de, et de faire un produit qui plaisait aux gens. Alors, derrière, euh, oui, bah, ça a généré de l'attraction, donc une croissance assez rapide du nombre de comptes qu'on ouvrait, croissance du chiffre d'affaires aussi, parce qu'en fait, on avait mis à jour ce besoin, et les gens étaient prêts à payer pour cet accompagnement, cette protection. Et tout mis bout à bout, ça faisait qu'on avait des beaux chiffres de rétention, des beaux chiffres de croissance, des beaux chiffres de rentabilité par client. Et ça fait un, une bonne boîte. Et côté Société Générale, quand vous étudiez une société comme Shine pour un rachat, qu'est-ce que vous regardez en premier Est-ce qu'il y a une, oui, un, un chiffre clé qui, qui vous fait décider que c'est Shine, la néobanque que vous allez racheter et pas une autre Alors Vous savez, dans le groupe Société Générale, on a Boursorama. Donc, euh, concernant les, les KPI en matière de, de banque en ligne ou de néobanque, euh, on connaît un peu euh, effectivement le rythme de croissance, euh, le coût d'acquisition par client. Euh, L'attrition, etc. Mais en fait, euh, ce n'est pas ça qu'on regarde principalement. Euh, la première chose qu'on qu a regardée et qu'on a vu qu'on partageait, c'était en fait euh, finalement ce, cet intérêt pour ce marché très particulier qui est celui euh, des professionnels et des TPE. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une vision euh, commune, une volonté, euh, tant chez Shine, Cast et Général, de soutenir. Ces gens qui vraiment constituent le terreau des entrepreneurs en France. La deuxième chose, c'est, euh, vous savez, on dit souvent au corps du digital, c'est de l'humain. Et moi, j'ai été, enfin, et toute l'équipe, à Générale, extrêmement séduit par, par les profils de ces deux entrepreneurs. Et, et il y a eu un fit, et on s'est dit que c'était des personnes avec lesquelles on voulait euh, construire quelque chose. Euh, le troisième point, c'était le modèle. Il a été très, très bien expliqué, qui nous paraissait très pertinent sur ce, sur ce marché. Et puis ensuite, on a eu la vision de comment ça pouvait s'intégrer dans le dispositif Société Générale. Une imbrication assez naturelle entre ce qu'on offre déjà, basé certes sur le digital, sur de l'expertise et le conseil, et puis cette néo-banque qui venait adresser un segment très, très particulier. Et puis évidemment, il y a des synergies. Des nouveaux produits qu'on peut apporter à la clientèle de Shine en matière de financement, en matière d'assurance. Et tout ça, bah ça vous fait une vision qui, évidemment, après, est déclinée en business plan. Mais l'essentiel dans, dans cette opération, dans ce rapprochement, comme dans beaucoup d'autres, c'est la vision. Et la vision partant du client. Est-ce que c'est possible, en 2020, de créer une néobanque rentable Ou ça n'arrivera jamais en tout cas, on fait tout pour et on est en bonne voie. L'histoire nous le dira. Mais c'est clair qu'on est dans une démarche euh, durable. On essaye de trouver des produits pour lesquels les gens sont prêts à payer, qui sont des, des qualités que, qui sont défendables par rapport à la concurrence euh, et qui vont faire de Shine une euh, entreprise rentable. Au sein du groupe Société Générale, mais avec un produit indépendant, euh, une marque indépendante, etc. Et qui soit à l'échelle de l'entreprise rentable. Aujourd'hui, sur euh, chaque client Shine, L'entreprise réalise du profit, c'est-à-dire qu'on met, euh, allez, euh, je peux pas donner tous les chiffres, mais moins d'un an à, à rentabiliser nos, nos coûts d'acquisition clients, y compris le marketing, l'onboarding, etc. Euh, et ensuite, encore une fois, je peux pas donner tous les chiffres, mais euh, la, 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 ce que génère un client dans toute sa durée de vie chez Shine, c'est de nombreuses fois ça. Donc on a on a tous les éléments en main. À date, pour construire une entreprise rentable sur cette base, et c'est très clairement notre objectif. En rentable et responsable. Mais oui, c'est une autre spécificité de, de Shine cette volonté d'être une néobanque responsable. C'est en tout cas une spécificité de l'équipe d'avoir à cœur de construire une entreprise qui se soucie le plus possible de son impact, à la fois sur l'environnement, sur, sur les autres parties prenantes, donc ses fournisseurs. Euh, les associations, les, les, ses clients, etc. Et puis sur le bien-être de l'équipe. Et donc on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire notre impact direct et indirect euh, et pour innover et mettre en place des pratiques les de plus en plus responsables. Donc on a été parmi les premiers à faire un très long congé, euh, congé second par an euh, pour tout le monde, bien, bien au-delà du congé légal. Euh, on a réalisé notre bilan carbone qu'on a rendu public, à la fois en répartition des émissions mais en volume total aussi. On travaille avec nos fournisseurs, les principaux, pour que eux aussi fassent leur bilan carbone et réduisent leur impact, etc. On, fait, on fait tout ce qu'on peut pour que, pour que ça se passe le mieux possible. Philippe Emmerich, vous, vous regardez, j'imagine, avec attention euh, ce marché des, des startups dans, dans la fintech. Est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques, des innovations, des, des propositions de valeur qui ont retenu votre attention euh, récemment, des, des innovations que vous voudriez voir émerger et qui vous intéresseraient, vous, comme euh, acquéreur potentiel, par exemple alors, je voulais juste euh, rebondir sur le propos qui est très important, c'est que moi je suis convaincu que, que SHINE euh, sera extrêmement rentable parce que euh, la proposition de valeur, elle est extrêmement claire, le client l'aperçoit et il accepte d'entrer, de payer. Et ça c'est... Voilà, vous avez la clé du modèle, la, dé, la, la démonstration, euh, elle est là. Alors, sur les initiatives, je pourrais mentionner parce qu'il y, y a beaucoup de, de coups de cœur. Alors, j'en mentionnerai une. La première, c'est une FITEC qui s'appelle ICA, avec laquelle on travaille dans le domaine des, des activités de marché. Alors, vous savez, dans le domaine des activités de marché, le nombre de données qu'on doit traiter se chiffre en, en, en milliards. Et on travaille avec cette, cette start-up pour toute l'analyse de nos risques l'analyse de notre liquidité et euh, ils nous ont euh, beaucoup aidés, que ce soit en capacité euh, de traitement, en réduction des frais informatiques euh, associés à ce traitement et puis euh, aussi en visualisation des analyses euh, qui se sont rendues. Je pourrais mentionner aussi, euh, comme Go, euh, là aussi c'est très pointu, on, est, on parle de, de financement du, de matières premières qui s'appuient sur la technologie euh, blockchain. Là, on voit bien que ce sont des choses, il y a encore 4-5 ans, c'était des mots un peu abstraits. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a des produits qui sont traités sur cette plateforme. Et puis, alors, deux autres, pour ne pas être trop long, qui sont intéressantes parce qu'elles combinent, on parlait d'entreprise responsable, et elles combinent à la fois cette dimension digitale et cette notion d'entreprise responsable. Il y a l'UMO qui fait maintenant aussi partie du groupe Société Générale, qui est une plateforme de prêts participatifs pré, -participatif, pré -participatif finançant la transition écologique. Donc on voit bien qu'on qu réunit deux sujets qui nous sont chers. Et puis, et puis Yop, alors qui n'est peut-être pas tellement connu ici, parce que c'est une, une start-up, là aussi, enfin plus qu'une start-up maintenant, une, une banque de Société Générale en Afrique, de paiement mobile, donc voilà, c'est pour les personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Et c'est très important parce que, évidemment, euh, c'est un facteur d'insertion très très fort euh, dans l'économie et même euh, dans, le, dans leur pays. Donc Yop est une, une très très belle histoire euh, qui est encore euh, toute récente, mais à laquelle euh, on croit beaucoup et qui rejoint là. Vous savez que l'Afrique est un continent qui nous est cher et c'est une magnifique illustration. Toi, Nicolas, il y a des sujets spécifiques au sein des fintechs que tu vois émerger, des, des sous-secteurs ou des business models qui ont retenu ton attention dernièrement En fait, le, de manière générale, on aime bien tous les, tous les modèles qui viennent enrichir ce qu'on connaît déjà, et dans notre cas, c'est enrichir le compte pro. Donc, le, le, bah, encore une fois, pour prendre l'exemple de Shine, le, en, en général, on ne s'attend pas du tout à ce que son banquier puisse nous aider à créer notre entreprise, faire le dépôt de statut, faire des factures, savoir ce on, si on a droit à telle ou telle aide, etc. Et en fait, ce n'est pas forcément le job d'un expert comptable non plus, tout le monde ne l'a pas. Donc voilà, on, en fait, en venant avec un regard neuf avec les technologies actuelles, on arrive à construire un produit qui est très, diffé très différent de ce qu'aurait construit quelqu'un qui est habitué à travailler dans une banque traditionnelle. Parce qu'on est parti d'un problème qui était différent et qu'on s'est rendu compte qu'intégrer la banque dans notre solution répondait mieux au problème. Donc de manière générale, on aime bien tous ces, tous ces, tous ces modèles-là qui sont un peu hybrides et qui, qui rajeunissent tout. Quoi. Et puis avant de, de terminer, je voudrais quand même vous poser une dernière question concernant nos, nos amis, les GAFAM et les BATX. Euh, on les voit de plus en plus arriver sur les sujets FinTech. Est-ce que vous vous sentez menacé en tant que néobanque ou en tant que, que banque institutionnelle euh, est-ce que, que quels sont les freins à votre avis à leur entrée sur le marché des fintechs et au contraire euh, quelles peuvent être euh, les menaces qu'elles représentent Deux réponses moi je, je, je pense qu'il faut qu'on arrête euh, de, de, se, de se mettre toujours en mode euh, défensif et je crois que plutôt que de parler euh, d'opposition y compris avec ces, ces big tech, il faut parler de, de coopération, de coalition. Euh, nous, on travaille avec eux sur un certain nombre de sujets. Euh, et c'est très intéressant et ça fait partie euh, de notre ouverture à tout cet écosystème. Hein, c'est le terme qu'on qu emploie, euh, être à 360 degrés, travailler avec toutes les parties prenantes, euh, dont les fintech, dont les, dans les big tech. Et par ailleurs, euh, moi je pense que toutes ces nouvelles technologies, elles nous aident nous aussi. À aller plus loin que nos domaines d'activité euh, traditionnels et c'est l'occasion euh, on a la chance d'avoir la confiance de nos clients de bien les connaître et donc une capacité à leur projeter davantage de, de services davantage de produits. donc euh, surtout pas d'approche défensive euh, une approche réaliste et, et puis en même temps euh, très ambitieuse parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Je suis complètement d'accord avec ça. Le... Aujourd'hui, on imagine très mal un GAFAM faire exactement un concurrent de Shine, par exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup de spécificités administratives liées à la cible et tout. Et même si on est une boîte énorme avec des financements énormes, c'est quand même très difficile de se disperser tout le temps et de tout faire à la fois. Donc ils sont eux aussi, peut-être même plus que quelqu'un d'autre, obligés de choisir leur combat, et ils ne peuvent pas aller sur les... tous les terrains non plus. La façon dont on le voit, c'est plutôt que les... La finance a beaucoup changé ces dernières années avec la DSP2, avec les innovations réglementaires, avec les innovations technologiques. Et donc on retrouve des, des, des éléments d'ingénierie de, financière dans des produits qui avant n'auraient jamais eu leur place dedans parce que c'était réservé à des banques traditionnelles, avec tout ce que ça implique de poids réglementaire et tout. Aujourd'hui, un, un peu tout le monde peut faire de la FinTech. Quoi. Et plus ça va, plus ça va être le cas. Donc tout le monde va innover sur ces aspects-là. Euh, mais de là à créer des concurrents directs de, de sociétés qui ont le compte pour banque et de tout, très sincèrement, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. On verra bien. Nous aujourd'hui, il semble y avoir la place pour ce qu'on est en train de construire. On continue à aller le plus vite possible, essayer de rendre nos clients heureux, nos employés heureux, et on verra bien où ça nous mène. C'est une belle conclusion. Merci à tous les deux, Nicolas Reboux, Philippe Emrich, d'avoir accepté d'être parmi nous. Et donc, ce que je retiens en conclusion du, du panel, oui, c'est possible de créer une société rentable dans les FinTech. Euh, on se concentre sur l'expérience utilisateur, le positionnement, la différenciation et la capacité de monétisation dès euh, le début auprès de ses auprès de clients. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici, malgré le contexte évidemment. Nous on s'est permis d'enlever le masque parce qu'on nous a donné l'autorisation, hein. sinon on l'aurait gardé. Euh... Pas de chapeau, ok. On, on, la, la, la séquence est assez brève, il y a une vingtaine de minutes, donc je pense qu'il n'y aura pas de place pour des questions, mais si vous voulez les retrouver les intervenants après, ils se rendront disponibles bien évidemment. Donc, on fait cette conférence en français, puisque je pense que vous êtes très majoritairement français, ou, ou en tout cas vous le comprenez. Et euh, l'idée, c'est de savoir comment on, on travaille et on grandit quand on est une start-up ou, ou autre, depuis, euh, depuis une ville autre que Paris. Euh, sachant que, pour l'anecdote, on a, on a réalisé, nous, aux Échos, euh, deux enquêtes euh, sur l'écosystème bordelais et nantais euh, pendant le confinement. Et ça, ça, ça a été deux des articles les plus lus. Euh, par nos lecteurs, donc euh, on pense qu'il y a vraiment un, y a un vrai sujet, une vraie appétence euh, de, voilà, pour le, du, du milieu pour le, pour le sujet. Euh, merci à tous les trois d'être euh, à mes côtés aujourd'hui. Merci d'être là. Donc Hélène Olfgaïa de BrainCube. Bonjour. J'ai bien prononcé C'est ça. Ok, super. Euh, Anne-Ketel Kentrick d'Arkea. Bonjour. Et Gilles Lechantre de Coctalis. Bonjour. Euh, bah une première question euh, puisque vous êtes tous les deux, euh, vous n'êtes, enfin tous les trois pardon, vous n'êtes pas parisiens, vous, euh, vous êtes venu spécialement euh, ici pour ça. Euh, D'abord en deux mots quand même votre activité. On va commencer par BrainCube qui est peut-être euh, la, la startup ou l'entreprise un, un petit peu moins connue, un petit peu moins en phase d'avance euh, sur les trois. Donc qu'est-ce que vous faites hein, rapidement en deux mots et, euh, et vous vous venez de l'étranger donc vous allez nous dire euh, où exactement vous êtes en ce moment. Oui alors BrainCube nous on est euh, un éditeur de logiciels. On s'adresse au monde industriel qui est en pleine mutation actuellement avec euh, l'utilisation de nouvelles technologies. Et c'est ce qu'on apporte euh, pour euh, les aider dans leur transformation à des fins de performance industrielle. Une plateforme IoT pour connecter les, les usines, récupérer les données de, de production et euh, des applications expertes euh, pour pouvoir utiliser ces données, euh, les analyser, euh, à la fois pour prendre les bonnes actions sur le terrain et puis pour pouvoir euh, exploiter des historiques. Euh, de production et trouver des points de, de fonctionnement optimaux. Donc, nous, on est basé, euh, le siège en France est à Issoir, en Auvergne, loin de Paris. Et euh, nous avons aussi des filiales, euh, une aux États-Unis, alors qui est loin de, des capitales aussi, on n'est pas à San Francisco, on n'est pas à New York, on est à Portland, dans le Maine, près du Canada. Et euh, une autre filiale au Brésil, où on est euh, à. Deux heures de Sao Paulo. Super, bon, on va rentrer un petit peu en détail euh, après euh, sur le sujet. Euh, Gilles, Coptalis, vous êtes euh, dans le nord, vous, de la France. Euh, oui, bonjour à tous. Donc Coptalis, on est spécialiste en mobilité internationale. En fait, notre travail, c'est de travailler sur tous les sujets d'expatriation. Donc une société que j'ai fondée avec un ami, Olivier de Surmont, euh, à marc en barœul dans la banlieue euh, lilloise. Et aujourd'hui, Cotalis, c'est à peu près 650 salariés dans le monde, parce qu'on est présent aussi dans 12 pays et dans les euh, capitales, on va dire françaises. Et Anne, donc bonjour à, à tous. Donc, donc moi, je donc je, on, je représente le groupe Arkea. Donc nous, on est un groupe un petit peu atypique en France, puisqu'on est le, le seul groupe financier de services financiers qui qui n'a pas son siège social à Paris. Euh, donc on a on a nos racines dans, dans l'ouest de la France et dans le Sud-Ouest. Euh, et donc on a, on après, on, on, on s'est développé donc dans tout ce qui est banque, assurance, services financiers euh, en France et en Europe. D'accord. Hélène, je voulais vous nous détailler un petit peu le, le, le tout début de BrenCube. Donc vous avez choisi tout de suite de vous installer en Auvergne, déjà, et pourquoi Et euh, aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, vous allez dans le Maine, c'est une sublime région, pas forcément la, la, la plus reconnue pour pour la tech euh, ou pour le pour l'économie. Donc euh, expliquez-nous pourquoi vous avez fait ces choix-là. En fait. Euh toutes nos implantations, elles ont été euh, décidées euh, en étant orientées sur le business d'abord. Nous, on sert euh, des clients qui sont des industriels. Et donc, euh, Paris n'était pas euh, un, une option pour nous. C'est évidemment un carrefour de business, mais ce n'est pas un centre de production. Et euh, historiquement, euh, on a fondé la société à trois mais deux associés étaient euh, dans la région euh, auvergne. Et donc, on a, on a choisi de rester là-bas. Euh, pour pouvoir euh, offrir aussi à nos salariés un cadre de vie qui est bien différent de celui de, de Paris. Euh, il se trouve que notre siège social, euh, c'est un château. C'était un de nos rêves quand on a monté la société, c'était de se dire, bon, bah, est-ce qu'on pourrait avoir des bureaux un peu différents de, du standard Et voilà, c'est le cas aujourd'hui, évidemment, on n'aurait pas pu euh, avoir ça en, en région parisienne. Est-ce que ça permet d'attirer des talents, ça, aujourd'hui Alors, on a la chance de pouvoir s'adosser à une ville qui est Clermont-Ferrand et qui a des bonnes universités. Euh, et on peut recruter des ingénieurs en leur offrant justement euh, des challenges techniques intéressants. On a peu de compétition dans la région, donc on a le, euh, le privilège de pouvoir bah, choisir les meilleurs et puis euh, leur offrir ce cadre de vie euh, très, très intéressant pour eux. On a, un, on a un turnover qui est proche de zéro. Vous êtes combien aujourd'hui Alors on a commencé à 3, aujourd'hui euh, on a commencé il y a 12 ans, aujourd'hui on est 150 personnes. Euh, la majorité euh, au siège à Issoire et euh, une équipe euh, aux États-Unis, une équipe au Brésil. D'accord, Gilles, euh, Marc en c'est un hasard ou, ou pas Alors c'est pas un hasard parce que les deux fondateurs sont donc Olivier et moi. De, on est des Ch'tis, donc on est hyper fiers de, de notre région et des Hauts-de-France. Et euh, ça semblait une évidence quand on a décidé de s'associer tous les deux pour monter la société, parce qu'on était convaincus que, bah pareil que toi, euh, que les locaux étaient une, hyper importants pour attirer des talents dans la boîte. Alors, nous, on n'a pas un château, mais on a une villa avec une piscine euh, qui fait à peu près 500 mètres carrés. Donc, on s'est dit, euh, si on veut attirer des talents à marc en barol alors une piscine chauffée, bien évidemment, parce qu'à marc en barol il faut chauffer l'eau. Hein, c'est pas évident d'avoir cette chaleur tous les jours. Euh, et euh, bah, ça a été un, un vrai déclencheur et euh, on a pu euh, en tout cas se rendre compte très très vite que euh, pour staffer l'équipe Coptalis, euh, l'histoire des locaux était, une, une importance, était très importante et, et ça bien évidemment on ne pouvait pas l'avoir sur Paris. Et Anne, même question aussi, vous euh, avez un fort ancrage notamment à Brest, euh, qu'est-ce qu'il explique et comment vous vous positionnez dans cet environnement pour attirer les meilleurs talents mm. Donc, nous, nous on est Arkea, on est un groupe coopératif euh, régional. Euh, et, et, et donc, le, le sujet de la vitalité des territoires, le sujet de, de contribuer au, au développement des, des acteurs des territoires, euh, de les aider à, à se développer, ça fait vraiment partie de notre, notre raison d'être, de notre mission. Euh, également, d'être proche d'eux pour, ben, pour décider des financements, décider des investissements. Euh, et les, avoir la, le meilleur service pour pour nos clients qu'ils soient particuliers ou entreprises ou institutionnelles donc c'est vraiment important d'être présent sur le terrain donc c'est euh, ça fait partie de notre adn en fait ce sujet du territoire ce sujet de la vitalité du, du territoire donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'on qu'on se développe euh, on développe en région et, et on essaie de justement de, de conserver notre 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 centre de décision euh, en région et c'est compliqué en France parce que la France est, est toujours très centralisée et dans un secteur financier euh, qui est de plus en plus centralisé aussi au niveau euh, européen ou, ou français, c'est un, un vrai combat de rester dans les territoires alors que c'est assez paradoxal parce qu'on on le voit avec la crise du Covid où l'échelon local redevient hyper important, hyper central, on voit que euh, tout se joue en local, également le, tout ce qui est... Euh, les aspects euh, développement durable monde de demain on voit que l'échelon local est le, est le bon échelon. Euh, donc nous on est convaincu de ça depuis longtemps et, euh, et on, on développe une, une entreprise, une entreprise qui, qui fonctionne bien très, qui fonctionne très bien à partir de, de brest et de, de l'ouest du Grand ouest de la France. Et alors le thème de la table ronde c'est évidemment de faire grandir donc là vous nous avez expliqué pourquoi vous êtes installé, les origines, quelques éléments un peu clés pour marquer les fondements de la boîte. Ensuite il faut grandir. Et parmi euh, les éléments que vous avez, vous avez partagé, il y a celui de la connexion avec l'écosystème, donc avec les universités, avec les grandes entreprises. Euh, Anne, par exemple, il y a Microsoft euh, qui, a développé son, qui est en train de développer son centre IA à Brest. Forcément, vous allez vous connecter avec. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Et pourquoi c'est important de se connecter euh, en région donc effectivement, quand on, quand on travaille en, en région, comme vous le disiez, c'est important d'attirer des talents, d'attirer et de garder les talents. Euh, et pour ce faire, euh, nous, ce qu'on développe chez Arkea, c'est des partenariats avec euh, les acteurs publics, d'autres acteurs privés, également des universités, euh, des, euh, des grandes écoles. Et donc vous, vous citez l'exemple de, de Microsoft euh, Intelligence Artificielle qui, qui, va développer dans les, qui va ouvrir dans les prochaines semaines une école euh, pour former des jeunes. Des jeunes qui n'ont pas forcément un diplôme, mais qui ont des compétences en mathématiques et en coding. Et ça, c'est un vrai partenariat avec des grandes entreprises du territoire, comme Alcatel-Lucent, comme Crédit Agricole, donc Arkea, et d'autres entreprises. Et également l'école Saint-Plon, et donc, Microsoft Intelligence Artificielle pour créer donc ces compétences. C'est vraiment intéressant parce qu'on prend, prend des jeunes sur les territoires, on les forme, on en fait des experts, et comme ça, on, ça fait des compétences aussi. Et on, et on contribue vraiment à l'insertion, au développement économique, et, et ça répond aux besoins des entreprises de recruter des experts et des talents. Et alors, Gilles, il y a 21 ou 22 nationalités euh, chez Coptalis donc même question, comment on fait, comment on a parce que là vous, avez, vous êtes 700 donc vous avez vous avez atteint, atteint une taille importante. Comment vous avez attiré ça au-delà de la piscine et, et de la villa Il y a forcément d'autres éléments plus probants. Alors il y a forcément d'autres éléments et, et bien sûr. Alors attirer des talents qui viennent de l'étranger euh, quand on est à Lille et à marc en barol bien évidemment c'est compliqué. On a énormément euh, bah, de pédagogie à faire en tout cas pour la cible des candidats que l'on souhaite recruter pour Capitalis. Euh, je, par exemple, quand on cible un candidat qui vient du Liban ou, ou d'Inde et qu'on lui explique qu'il euh, euh, faut venir travailler au siège de Marc en déjà, il ne sait pas trop situer où se trouve la France. Donc, euh, bah, quand on parle de la France, c'est avant tout Paris. Et quand on lui dit que ça ne sera pas Paris Marc, euh, bah, voilà, c'est plutôt euh, pas difficile à faire comprendre. Mais en tout cas, on a beaucoup de pédagogie et beaucoup de choses à lui expliquer. Et euh, on le sait dans les nouvelles générations aussi, c'est des tremplins. Et, et nous, on travaille comme ça aussi chez, chez Coptalis, c'est qu'on est convaincu que les gens qui intègrent Coptalis euh, vont pouvoir bouger à, à travers euh, bah, le développement de la société, de la croissance et la croissance exponentielle de Coptalis. Et euh, bah, c'est aussi euh, une manière de mettre les pieds au sein de la société pour après. Ben, envisager une expatriation au Canada, euh, en Australie ou, ou encore euh, en Belgique ou au Luxembourg quoi, par exemple et là où vous êtes installé dans ces pays là c'est aussi dans d'autres dans villes que la ville principale ou vous avez fait un choix différent on, on a fait des choix euh, parfois différents euh, pour, pour, euh, pour certaines quand même pour certains pays la capitale c'était beaucoup plus simple on a la chance aussi euh, et, et on l'a mérité, hein. c'est peut-être pas une chance, mais en tout cas, c'est comme ça. On est French Tech 120, donc ça, ça nous a aidé énormément pour se développer à l'international. Et ça a été un vrai bel outil. Donc la French Tech à l'international est souvent aussi dans les capitales. Donc les contacts, les connexions, et on, on est conscient de l'importance du réseau, se fait avant tout dans les capitales. Mais on est présent, par exemple, au Canada, on est présent à Montréal, mais aussi à Toronto, par exemple. Donc on peut être présent dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Euh, Hélène, vous, je voulais aborder la question de la gestion, quand même, il euh, faut de la relation avec Paris, euh, qui reste un centre de décision, vous l'avez tous euh, noté. Euh, vous, vous avez un bureau, mais qui n'est pas à Paris, qui est à Versailles, je crois. Oui, Donc, on a notre bureau commercial à Versailles. Alors, ouais. qu'est-ce qu qu qui explique ça et euh, qu'est-ce que ça, a comme atout, si ça en a Alors, là aussi, ça a des raisons historiques, puisque moi, j'étais basée à, Paris, à Versailles précédemment. Euh, L'important, en fait, euh, où qu'on soit situé, c'est de pouvoir être près d'un hub euh, avec des transports qui permettent d'aller euh, euh, rencontrer ses clients là où ils sont, partout là où ils sont. Donc être proche euh, de, de gares et d'aéroports hein, qui permettent de voyager. C'est essentiellement ça. Après, euh, ça a été Versailles, ça aurait pu être euh, Lyon, ça aurait pu être euh, n'importe quel euh, autre euh, hub de transport. Nos, nos clients, ils ont été partout dès le début. Euh, notre premier client, il se trouve qu'il était français, mais le deuxième client, il était en Suisse, le troisième client aux États-Unis, le quatrième client au Brésil, le cinquième en Belgique, et ainsi de suite. On a depuis le début euh, 75 de notre activité qui est à l'export, donc on se considère pas vraiment comme euh, comme français, et on travaille de toute façon euh, en servant les clients où qu'ils soient à distance. Et Comment vous managez tous Alors c'est une question pour chacun d'entre vous. Le, le télétravail qui a explosé avec le, avec le Covid, c ça, en étant déporté de Paris, est-ce que ça est-ce que ça prend une, une importance supplémentaire Est-ce que vous l'avez euh, mis en place et comment enfin comment vous l'avez mis en place et quel bénéfice vous en tirez Qui veut répondre en premier Anne Nous nous on a effectivement fonctionné à 95 en télétravail. Euh, donc on le faisait déjà avant, mais ça a accéléré, euh, accéléré la transition. Euh, et moi je trouve que la crise du Covid, elle a montré une chose, c'est qu'on peut très bien travailler en dehors du bureau et en dehors de Paris. Euh, je trouve qu'aussi euh, elle a montré une chose, c'est que comme à peu près 20%, je crois, des Parisiens ont quitté, euh, ont quitté la capitale pendant le confinement. Ben, ça prouve que, ça prouve que ceux qui pouvaient le faire l'ont fait. Je pense que s'ils avaient tous pu le faire, ça aurait été bien plus important que ça. Ça prouve que c'est compliqué, ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour vivre et avoir une qualité de vie euh, équilibrée. Donc, euh, donc je trouve que ça renforce, ça renforce le fait de, de s'interroger quand on est une start-up, par exemple, comme vous l'êtes, de se dire ben, si je dois m'installer quelque part. Je pense que c'est intéressant de considérer, euh, de s'installer dans d'autres territoires que Paris, euh, qui vont vous accueillir d'ailleurs, avec euh, qui, qui vont vous accueillir les, les, les bras ouverts. Euh, C'est-à-dire que les, les entreprises, les collectivités locales euh, font en sorte de bien accueillir les start-up et vous aurez une qualité de vie, euh, qualité de vie énorme euh, dans ces territoires. Gilles euh, alors, nous, ça a été un peu difficile parce que notre travail aussi, c'est de beaucoup voyager. Et aussi, quand on voit l'expansion, aussi, c'est d'ouvrir de, de, des pays. Et là, forcément, par la force des choses, on a été arrêté. Le télétravail existait au sein de Chicoptadis avant mais c'est sûr que l'impact est quand même très important parce que euh, on rencontre énormément de candidats à l'étranger, énormément aussi d'expats et tout peut pas se faire à distance parce que c'est important aussi quand on donne les clés euh, de sa vie à un partenaire comme Coptalis, c'est super important d'avoir euh, des garanties derrière et tout peut pas se faire non plus euh, uniquement à distance c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais honnêtement, on, a, on, et on passe très très bien la crise, euh, même si euh, nos méthodes de travail par moment ont été changées et bousculées. Euh, nous, on avait déjà des, des solutions de télétravail en place euh, avant cette crise. Euh, bien évidemment, on, on a fait du télétravail à 100% à partir du moment où euh, on l'a même mis en place avant qu'il ait été euh, obligatoire, euh, par précaution. Euh, ce qui nous a permis de continuer à fonctionner euh, normalement, on a euh, passé cette crise aussi euh, fort heureusement assez bien puisque nous, on sert nos clients euh, avec un modèle en SaaS, euh, l'accès se fait euh, à distance en, en cloud, donc on a pu continuer à servir nos clients à distance. Euh, effectivement, c'est plus difficile pour la partie prospection quand il faut rencontrer des, des clients qu'on n'a pas encore rencontrés euh, parce qu'on reste des humains et que c'est toujours mieux de se rencontrer physiquement. Euh, donc là, on, est, on, on peut moins, moins se déplacer et moins rencontrer de, de nouveaux clients. Euh, en revanche, on a, on a observé un fait intéressant pendant ce, cette période de télétravail, c'est que nos clients, eux, euh, qui étaient forcés au télétravail également, euh, en particulier le, le staff de production qui habituellement euh, est sur place dans les usines, devant travailler chez lui, a euh, surutilisé euh, les solutions BrainCube. On a observé un pic d'utilisation pour profiter de ce temps peut-être à distance pour rentrer dans leurs procédés, analyser leurs données, essayer de trouver des solutions d'optimisation, peut-être prendre le temps qu'ils ne prenaient pas habituellement. Et donc il y a certains clients chez qui on observe même un doublement de l'utilisation de BrainCube pendant cette période. Et je crois que c'est déjà la dernière question, mais comme France Digital, c'est des startups et des investisseurs, vous échappez pas à la question de comment vous arrivez alors. Pas vous, mais comment vous comment vous arrivez à convaincre les investisseurs de Plus des deux tiers des fonds levés en France le sont en région parisienne. Donc, est-ce que vous arrivez à les convaincre Est-ce que c'est plus difficile Quelles expériences vous avez eues Si on peut aussi tempérer un peu le discours de, de, qu'on a depuis tout à l'heure. Alors peut-être Gilles. Que vous avez... Alors nous, on a l'exemple concret. L'année dernière, on a fait une grosse levée de 20 millions d'euros, notamment avec qui Invest. Euh, donc, euh, bah, la question s'est un peu posée à un moment donné de se dire bah, ça serait peut-être intéressant, vous êtes spécialiste en mobilité internationale et votre euh, ambition, en tout cas, c'est d'être le leader mondial de la mobilité internationale, donc c'est mettre le siège social à Paris. Et quand on les a invités à Marc-Anboirel, qu'on a expliqué qui on était, etc., bah, honnêtement, euh, au bout de 30 secondes, c'était bouclé. Il n'y enfin, a, a pas eu plus d'explications que ça. Et euh, aussi, euh, Lille est quand même au carrefour de l'Europe. On est à 50 minutes en TGV de Paris, on est à 25 minutes de Bruxelles, on est à 1h30 de Londres et, et on va dire 1h45 d'Amsterdam. Et forcément d'avoir son siège social aussi euh, euh, bah, au cœur de l'Europe, on, on est super fiers et, et ça facilite aussi tous les échanges. Hélène, est-ce que vous avez rencontré des difficultés liées à cette situation géographique un peu euh, particulière, en tout cas pas souvent rencontrée en étant en Auvergne euh, pas, pas forcément, parce que nous, en fait, on a, on a vécu 10 ans euh, autofinancé. On a développé le business et on, no, notre activité a été autofinancée depuis le début avec nos clients qui nous payaient. Euh, et on a ouvert notre capital seulement il y a deux ans. Donc on avait déjà et on a toujours été euh, en forte croissance, euh, à 30% en moyenne sur les dix premières années. Donc quand on a euh, finalement décidé d'utiliser ce moyen de la finance pour. Euh, Booster notre croissance et aller encore plus loin pour débloquer des nouveaux moyens. Euh, on, a, on a cherché, euh, effectivement, en région parisienne, alors on passait un peu pour des ovnis euh, en étant une petite SARL en Auvergne, mais on a plutôt eu beaucoup de candidats euh, pour financer notre projet et notre société. Et on a levé 9 millions d'euros euh, il y a deux ans. Donc euh, pas, de, pas de frein particulier. Il faut dire aussi qu'il y a des investisseurs euh, qui ne sont pas à Paris et, et donc qui sont sur les territoires. Nous, nous chez Arkea, on a un milliard d'euros milliard sous gestion et on est, on est clairement le partenaire ben, des, de la tech et des, des fintechs notamment, euh, historiquement. Donc euh, on aide également les entreprises, les belles entreprises qui sont de, sur les territoires en France à, à se développer. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Et puis ben, je vous invite à... Allez venir vous poser des questions après la conférence et puis, à, et puis allez vous installer ailleurs qu'ici. <laughs> allez, bonne journée. Hello everybody, so I'm pleased to be here with a very power woman uh, panel. So the panel is to dealing with the boys club, but I suggest that we're going to transform that to how could we organize the women's club. So today I'm proud to be surrounded, so I'm Stephanie Hospital, founder and CEO of One Rack Time. It's a, it's a VC, so it, we're investing in tech startups. While building the platform to be able to scale our model like co entrepreneurs. I'm pleased to be surrounded by three women, amazing women. So, Sophie Proust. Hello. Uh, so, yes, so Sophie uh, um, is the CEO, uh, is the CTO, Chief Technical Officer but of Atos. We have also Rizlen Amrani. So, Rizlen is a co founder of a very nice. Uh, Company, I mean, uh, tech? tech, tech, data science. It's uh, Quantcube. and Hello. then we have Kat Bolonga. So Kat is a, a, a long-term friend. I mean, with uh, a role model also, as she, she had a fantastic story before joining the French government. I mean, as head of the French Tech. So I mean, the, the title would be uh, uh, how do you do, how do you uh, tell your job? So director, director of French Directrice. Tech. So I'm going to, uh, to start. I mean, with a few figures. You know that only one uh, woman out of ten has uh, been, uh, is now. I mean, the CEO of uh, a company. So it, when you look at the tech funders, you have one woman out of nine men. So it's very few. Only 10 percent, roughly, of the investment decision in the world are taken by uh, women. So, we still have room. Um, we still, I mean, if we look at the, the time we, we would need to have equality, diversity in terms of uh, in, the, in the tech system, we have to wait until 2090. So, we miss 70 years to go to the diversity. But, however, I mean, three examples that it's possible to be there. I'm going to start with Sophie. So, Sophie, CTO of Atos. So, how have you been able to, I mean, become the top role in a tech company? I mean, you're very few in the world. I mean, do you have other the the figures because you gave for CEO and investors uh, regarding CTO? Gartner states you have less than 10% female uh, CTO. So it's true that uh, it's uh, it's too few, and let's not wait until uh, <laughs> 2080 uh, to to be at parity so what happened to me you know I, I, i'm an engineer um, it's my passion I, I decided 30 years ago to go and work in uh, computer science uh, and uh, because i was uh, very interested in uh, software algorithm uh, writing a problem in instructions, making it run uh, on the hardware, uh, understanding the underlying infrastructure, the cybersecurity attached. So, this was my passion. So, I, I went to Bull to work because I wanted, as a French engineer, to design uh, hardware but also software. And uh, I wanted also to do some management. So, very early, I managed technical teams and then up to CTO uh, of Atos yeah, so and then, kat, you're, you're founder, founder of a company, and now you're part of the french government. you're not french, or you're french, but you came from another country. yes, you're french. You, um, would, do you see that, i mean, is, is, it, is it still a topic, this topic of the boys' club versus women club? or, i mean, have you been able to, to see improvements in the french tech? how do you think it's, is it an issue for you? No. It is the issue for me. Uh, you know, look at what French tech is dealing with right now. We're dealing about the future of cybersecurity and the protection of our countries. We're talking about the future of the environment. We're talking about the way that we're going to live and work and raise our kids. And do you really want to leave all of these issues to just men? No. You know? So it is the issue. It is the issue because of that. It is also the issue because I don't see a world where French tech or the French, like France as a country, succeeds in the rebound if half of us are held back. So yeah, it's 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 still a, it's still a, it's still a, it's still a massive issue. It's still something that we're struggling with at almost every single possible level all the way from like, you know, our children who are still trying to, you know, still want to be more like elsa than mulan or whatever or um, you know when we have founders that you know some some that you that come knocking on your door that are looking for funding when they have to deal with clients when they have to deal with their bankers it's still it's still way too prevalent considering what is truly at stake here yeah, but apparently, I mean, we have some uh, funders who are women. I mean, Islen, you're, you're part of the eight women out of ten who have co founded a company. This is a statistic we have, by the way. At one Rack time, is that uh, we see one project out of ten co-founded by a woman, and we, we have the same, unfortunately, ratio in investment. Was it complex to raise funds, and uh, for you, I mean, uh, as a woman, or no? I would say, to be honest with you, uh, I really love the journey of raising funds. Of course, there is a lot of issues over there. Of course, in the deal flow and deal sourcing, you, we have less projects led by women and less startups co-founded and founded by women. But also in the other side, you have uh, less representativity within women uh, of women within VCs. So, of course, I think in fintech, out of seventy-eight partners of uh, VC funds, you have only mm. five women as partners i mean this is a big deal and a big issue when you have to make the investment decisions of course and i think there is some biases over there that we need to deal with yeah. at a certain point but when you are a woman and you would like to raise funds of course you need to forget all about those figures and those statistics that can affect your way of raising funds or your abilities or even in an unconscious, in an unconscious way um, I would say, put you in a, in, a, in a position where you take less risk, of course. But at the end of the day, the journey is still the same, even if women has to be, I would say, to, has to show more competitiveness and to show more ambition than men. So this is the issue. But then, how do we organize a women's club? What can we do? And what can we do, all of us, at our level? I mean, maybe Sophie, at Hatos, I mean, your CTO, so how many. Uh, I mean, uh, do you in foster women? How do you uh, give the passion for tech for young women? Yeah. I think, you know, we, at Atos, we are about 30%, a little bit above 30% of women. What I see is that things are really evolving. You know, when I started, even if you look at the vocabulary, uh, when I started, we used to talk about computer science. Now we talk about digital. Why? Because 30 years ago, we manage, you know, back-end processes of the enterprise, and now today, really, digital is around us. We have applications on our phone. You know, you, you just, if you want to book a taxi, if you want to uh, look at the weather forecast, if you want to uh, look at the stock price, uh, but also for the enterprise, change things are changing you uh, you 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 have a lot of uh, things that is enabled by um, digital and mainly by artificial intelligence and here i see a big switch that could let women come because they are going to be working on more um, purpose around uh, how to uh, increase profitability of the enterprise how to change uh, uh, many things uh, and 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 i think this is the way uh, that women will come to tech because uh, it is changing and it is really impacting our lives. So yeah, uh, definitely. I mean, uh, we need to make this attractive because this is also where we have the job creation going forward. So, Kate, with French Tech, is there? I mean, there's this diversity index you monitor. I mean, uh, I mean, no. Not really. How do you do? To I've I've heard that there was an index where whenever you you back a program, you had to add the ratio of, uh, uh, I mean, diversity. So how do you call that? Yeah. Yeah. So um, um, uh, good point. So we are actually one of the very proud sponsors of this event, and like every single event that we sponsor, we put in a very strict quota that's actually written into the contract that says that if there are less than 35% female speakers. Then we reserve the right to pull out our funding. Um, I think that stems from something. I think when I first, I know when I first started this job, I was very optimistic about um, you know, the issue of, uh, of, of diversity and is certainly like you know gender equality. Uh, and so we were kind of like, you all remember this phase, we were all encouraging it. We're like, yes, you know, you need, to, you need to support other women. Like this is so much injustice, whatever. And then one year later, I'm like, wait a minute, nothing is changing. So I'm done asking. Uh, or i'm done encouraging at this point we just need to start like demanding um, and so this is something that's written into every single partnership that anyone will ever have with a french tech both in france and abroad and is also part of our speaking policy no one from my team or myself will ever uh, or, or even from our capitals and communities will ever speak at an event where there are less than 35% of women represented on stage mm -hmm. so we need ratio but at least, I mean, we see here we have four women, so we uh, we take really the ratio, sick. and uh, and uh, we're very proud, by the way, at France Digital Board is that we have more women than men. So yes, we're definitively organizing the women's club, uh, but with diversity and inclusion. So I guess this is what is important beyond the the, the male woman um, uh, topic. It's also the diversity and the inclusion. So in uh, QuantCube, you're the, the CEO, uh, so you can do whatever you want to make that change is there something specific you're doing in the recruitment to uh, reach this 35-40 uh, ratio you have even 50 i mean in terms of yes. male and women actually i'm very proud about that we are really 50-50 in terms of uh, i would say balance between men and women and of course i have Women that are data scientists, women that are developers, women that take decisions at every stage of the company. And this is really something I'm really proud of. Uh, of course, diversity is also important. One thing that which that which is really unique about QuantCube is that we are also a very diverse company. We have 13 different nationalities internally, and we love people with diversified backgrounds as well. So this is something important. And of course, I think it's really important to, to put in place a specific recruitment process process in order to to get that i mean so in my position actually what we the work we have done with the team is really to put a specific process in place while recruiting people and make sure to avoid all possible biases, so this is really important. So we focus really on the personality, on the potential, and the motivation of each candidate. So we don't see which school they are actually uh, graduating form from, they are men or women. We put all those types of criteria aside, and we deal only with the personality. And this is something that really makes the difference. The other thing is, once we have um, the good candidate in front of us, what we try to do is really to to speak with him about his desires of, I would say, of uh, evolution and career and so on, and we try from the early beginning to have a specific track for each person, and this is really important to have them completely committed and engaged. Okay, so, sounds amazing. And uh, at Atos, I guess that you you have the same type of approach. Maybe a question that was not forecast, but what do you think of the maternity leave? At the same level for father and mother. I'm a big believer that the day we give that for everybody the same amount of time to be off when you're your new parents, that changes a lot. Do you promote that? <laughs> Not yet. <laughs> but uh, you know, when, when I had my children, there was no father leaves. I, only the the women's leave. I, I I guess women would need m more. You know, <laughs> we need to rest. I had three children. Uh, bon. I, I, I don't know. Anyway, I think it's a very good uh, thing that a father can take some leave and take care of the children, help the mother. I think it's a very good thing. What I think also is that what I see at Atos, you know, we, we have two problems to tackle. The first one is the recruitment, having more women in tech. The second one is to make sure that women get a leadership position, because today this is not the case. And on those two aspects, I think we have to work as hard towards the women. So tell them how fun it is, how great it is to be in tech. Um, and okay, so we have actions uh, within uh, within Atos around that. And and then also we need to have them in leadership position. And again here, two actions towards women: come on, go for those positions because here again you can have, uh, you know. Uh, an impact on the strategy uh, and also uh, uh, on the on the on the technology, on the people, on the skills, and also we need to work on the men, on their awareness. And here again, what we are doing at Atos, we are uh, developing some mentoring program uh, to uh, work on those two aspects. Kate French Tech. I mean, uh, you see. I mean, only one project out of 10 led by a woman when we look at the, the ratio. How do we change that? What could we do? I mean, uh, what, is there something to do with the, the woman entrepreneurs? Is there, you've been a woman entrepreneur, you still. You've been now in a French organization. You came from Philippine. Uh, so you, you're clearly an example that it is possible. What has made that possible for you? I want to sort of say that, I don't think I should be the case that we're looking at here. I think when we think about policies for diversity and gender equality, you shouldn't look at people like me who lead you know, important teams inside government or the CEO of a, of a, of a you know, strong company or the CTO. You need to look at all of the women who are not. Being put on stage, who don't have a voice, uh, who are in lower positions inside companies, who are, you know, struggling with self-doubt every day, wondering if they should launch their companies, and so yeah, so to a certain extent, like, you know, I feel like a lot of the debate on, you know, women and equality has been more about like, well, how do we get from VP to uh, CTO, right? Yeah. But. And I think those are important, but I think we also have to remember that most of the time when we're fighting, we're fighting for the people who can't be here and who can't who can't really speak. So on that note, um, you know, we, we spoke a little bit about about mentorship. Um, I think that's so important, and where I think that's also important, it's, it, it's important. I think, of course, for the mentees, right? Because they I know I needed a lot of guidance, and I was struggling, and I was feeling, you know, when I started the French Tech mission you know i remember my first few days right away with the president with the ministers i'm like an immigrant you know i didn't speak french like 10 years ago and i was always like second guessing myself wondering if i was good enough you know and, and i think a lot of women are, are struggling with uh, this sort of thing more, more than men because people are less like more, are more likely sometimes to question hey is she the director of french tech because she's awesome or is she the director of french tech because they needed to cast a female young visible minority right so I think when, we come, when it comes to mentorship it's about reaching out it's about knowing that people making yourself available and letting people know that they can reach out but I think it's also accepting to be a mentor which is a huge step for a lot of women a lot of women think they're not good enough to help other people and this is something like ideal so the French tech you talked about like one out of 10 French tech 120 only has three uh, female uh, founder CEOs right three out of 123 and they're not the three that you see super often right like you don't Necessarily, like okay, uh, you know, people know Julia Bijawi and stuff like that, but you know, just get, I don't know if anyone could off the top of their head guess who the other two are, right? So, I think part of it also for women is that we have to accept that we are role models already, even at the levels of success that we feel like are not high enough, um, and we have to accept that, and we have to accept to speak on stage, even though it feels kind of awkward. To I'm not going to lie to you, it feels super awkward to me. We just launched like. You know, we just announced 7 billion. We're doing, uh, we're doing like, we did all of this crazy work during the crisis. Um, and I'm speaking on a panel about women, right? So, I mean, that's like, there's a part of that that I'm not going to lie to you, it's almost slightly humiliating. But, but I also understand that it's so necessary and it's something that we have to do because these are messages that need to go out. You know what? I had the same feeling when I look at this panel and I say, wow, it's weird. We are at France Digital and we need to have a panel on the women's club or boys' club but guess what because this is not changing we need that because unfortunately this is not changing at the past it should be changing so if we let it down it will not change so we have still to open the voice and to say yes this has to change and all of us we can be the driver of change and all of you here you should be the driver of change do you mind if i just like plug in something really yeah. quick so speaking about change it's always like a, a really great call to action you know, everyone here i think is for diversity i'm guessing but i think very few of us are actually very sure on what works you know what i mean like, like will quotas work will doing more panels work if like the french tech decides to like you know put in millions to fund more female panels will that change things and the truth is like i think if we knew exactly what worked we would put the money on the table like right yeah. now and make it go away, but the problem is that we don't. So the French Tech Mission is organizing something called the French Tech Community Fund, which is actually a competition. Um, there's one million out of the three million actually that's entirely dedicated to talent and inclusion. So if anyone who is from startups here and then have you know great projects that can you know push forward these types of issues, we're really eager to you know to, to see the applications to, to see your projects. The tickets are from twenty. Thousand to one hundred thousand. We just opened applications this week, and they won't close until the end of October. Brilliant, <laughs> brilliant. I think this is the best way to be competing to win this project. Um, we we are at the end of the the panel, so maybe we have time for a quick question from the audience. No? Yes? Yes. It's not it's not organized but short <laughs> so you said a lot should be done to empower women and to encourage uh, diversity and inclusion shouldn't it be done way earlier before people start startup i know that like in schools uh, you should talk to girls, little girls, and encourage them and I know that very less uh, very little is done and i should I think it should start here so you have more women at the end absolutely. for example, we're having some uh, actions like that. Uh, we, our campus management is organizing conferences with uh, schools, engineering, but also business schools uh, to show them how great it is, uh, the technology we are in. we have also some partnership with some uh, startups like, for example, social builder, where we help women who Chose another way. I mean, they went in, I don't know, something else in tech. And now we we mentor them and we mm -hmm. help them go and be uh, Java coders or things like that. So we do have those kind of initiatives. Yeah. There's actually this uh, very sad story that uh, Claude Terrosier, who runs Magic Makers, uh, tells often about what she thinks is one of the largest uh, blockers of women in tech. And she, so she runs this like, you know, coding school for kids. And what she tells me is that sometimes when people come over to drop their sons, they have their daughters with them. And when she asks them, hey, why are you taking your son? Why can't you take your daughters? Like, oh, wait, we didn't realize this was for girls, too, or we didn't think that would be great for girls. And so, yeah, it starts really early. And I think you know, there's a lot of pressure that's put on institutions, but I don't think there is a more effective vehicle for change than parents. Um, and you know and that 's parenting both to little boys and to little girls and there 's really only so much the state can do. The truth is that when it comes to something like this i can 't think of anything more powerful than say like Netflix you know what I mean like you know there 's no government program that is ever going to really like make that kind of difference that individuals can make in their own homes I think you are definitely uh, you're right uh, education is key I think it 's definitely the first step uh, but maybe to end up with a note of optimism, I can see even if it 's very, very, very little, but things are starting to change. Because while I'm interviewing some very young candidates coming in from engineering schools and very talented girls and so on. You can feel that they are actually they, they are really eager to change things. Even men, even I would say. So I'm very happy to see that it's really coming in right now. It's really slow. We need to encourage that, um, and of course we need to have more women and more girls coming in in the scientific educations, going to engineering school, and having opportunities to, to go for an entrepreneurial journey. This is for sure. And uh, speaking to all the fathers who are here, I mean, if you have daughters, please tell them to that how fun it is to be uh, a doctor, a developer, uh, to go for engineering. I mean, uh, often it uh, it starts with the father and the mother encouraging their daughters to to do that and to have uh, impossible dreams that come possible. So um, we will end up in a very positive uh, note as fifty of the workforce is women. so we have 50% of the workforce to make sure it becomes talented cto, entrepreneurs, vc, uh, government ladies. Um, and, uh, and clearly, um, we'll, uh, i hope that uh, we will not have to wait until two, um, 90s, 70 years to be uh, not to be here, by the way, uh, to have a boys' club uh, session. To organize a boys' club, what is diversity, what is the day of the men? So, I hope not. Thanks to all, and uh, please uh, take that as something that you should action yourself at your level. Make it work. Bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien, très heureuse d'être avec vous cet après-midi. Je suis Déborah Loi, je suis journaliste aux échos où je couvre les start euh, Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est toujours un petit peu tabou en France, même si les esprits s'ouvrent euh, peu à peu, euh, on va parler du fait de, de fermer son entreprise. Euh, on va pas parler d'échec mais euh, voilà c'est un peu le, le, le sujet euh, qui, qui, reste, euh, qui reste tabou aujourd'hui. Je suis avec deux entrepreneuses. Superbe. Je peux dire entrepreneuse ou je veux dire entrepreneur Comment, ouais, comment peux, vous vous peux. situez sur ce débat euh, Donc, vous avez toutes les deux euh, vécu euh, cette aventure de devoir euh, fermer une entreprise. Euh, Rania, toi, tu as fermé, annoncé il y a un an, c'est euh, pratiquement ouais. tout pile, que AfriMarket euh, cessait ses activités. AfriMarket, que tu avais réussi à porter à 30 millions. D'euros de dollars d'euros de chiffre d'affaires, donc une grosse aventure entrepreneuriale pour toi qui, qui s'est arrêtée il y a un an. Aujourd'hui, tu es investisseur. Et puis, Carole, on te connaît beaucoup pour June qui vient d'annoncer cette, cette grosse levée de fonds de 10 millions d'euros. Mais avant, tu avais monté une première start-up, Momiville, en 2014 que tu as fermée deux ans après. Un point commun entre vous deux, c'est que vous avez dû fermer votre entreprise à la suite d'un manque de financement à la dernière minute, juste avant un tour de table qui devait avoir lieu et qui finalement n'a pas eu lieu. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé et vous, dans quel état d'étruit vous étiez à ce moment-là Bien sûr, bonjour à tous. Déjà, je suis ravie d'être parmi vous ici. Ça fait exactement un an que je n'ai pas pris la parole au sujet d'Afrimarket. C'est la première fois que je remonte sur scène pour en parler. Donc, euh, je vais essayer d'être le plus transparente possible et de vous donner tous les takeaways palpables et utilisables que vous pourrez réutiliser dans, dans le futur. Mais euh, l'idée, c'est que si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a envie de partager et que le message, c'est que l'échec, c'est positif. Moi, je reste toujours très attachée à une phrase de Churchill que, que je vous dirai un peu plus tard. Mais brièvement, mon aventure à Free Market s'est terminée il y a exactement un an, jour pour jour. Euh, je me rappelle que j'avais décliné l'invitation euh, à l'Elysée au, au FDD parce que euh, j'étais l'après-midi même au tribunal de commerce de Paris en train de déposer la liquidation de ma boîte. Et donc, euh, je n'étais pas capable de faire ce grand écart émotionnel dans la même journée. Un an plus tard, je peux vous raconter les détails de, de cette aventure. Donc oui, à Free Market, fin 2018, une très belle success story française. On avait euh, 250 salariés, on avait 5 filiales dans 5 pays d'opération, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, Mali-Bénin. Et euh, malheureusement, notre dernière levée de fonds, c'était une levée de fonds de 30 millions. On avait levé un peu plus de 20 millions d'euros pour faire fonctionner l'entreprise depuis le début, euh, depuis sa création en 2014. Et finalement, du coup, euh, il y a un an, jour pour jour, euh, notre investisseur principal, avec lequel on était en discussion depuis huit mois, se retire trois jours avant la signature. Donc on était un peu les mains liées, quatre semaines de trésor, euh, pas d'autre solution euh, que de euh, fermer la société et le faire proprement. Carole, ça remonte à 2016, ton, ton avis. C'était un milieu. petit peu avant. Alors nous, on était à un stade beaucoup moins mature, donc je pense que euh, ça reste émotionnellement dur, mais je pense que c'est très différent euh, dans la mesure... Alors déjà, euh, on, on j'avais monté une boîte qui était un réseau social pour les futurs parents, les jeunes parents. Euh, on était, je crois, cinq salariés. Et en toute transparence, même si ça me fait de la peine de le dire maintenant, on méritait de liquider cette boîte, on n'avait pas de business model, on n'avait aucun moyen de faire de l'argent. Euh, et je pense qu'on était... Euh on était à l'époque, je le vois, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais quand même moins. On était à l'époque dans une dynamique qui était très euh, euh, c'est pas grave si t'as pas de business model, de toute façon, tu lèveras des fonds. Euh, c'est très très dangereux en fait d'entretenir les entrepreneurs dans cette idée que tu fais pas d'argent, mais c'est pas grave, tu vas lever des fonds. Et j'ai cru ça, je pense, comme, comme pas mal de gens. Et puis, en fait, au bout d'un moment, le coup près tombe, quoi Il y a toujours un juge de paix à la fin. Alors que ce soit à la fin pour moi ou que ce soit à la fin pour, pour WeWork quand il fait son IPO, il y a toujours un juge de paix. Et en l'occurrence, nous, on a fait une levée de fonds. Pour le coup, le mec a signé, mais il n'a pas livré les fonds. Et donc, au final, c'était pareil. Euh, et voilà, et donc, arrive le moment où tu te dis, bah, euh, nous, on avait déjà plus de trésor. Donc, ça faisait déjà deux mois que je payais les salaires moi-même interdit bancaire et tout ça, c'était un peu chiant. Et, et ce qui fait que oui, bah, un jour, la mort dans l'âme, tu, euh, tu prends tes petites affaires, tu vas au tribunal de commerce. Et puis, euh, je me rappelle, j'ai pleuré devant le juge. Et le juge a eu une phrase qui était à la fois euh, très euh, euh, patronisante et en même temps très gentille. Il m'a dit Mais vous inquiétez pas, ma petite dame, on va vous la fermer, votre société. <laughs> je dis bah, Bon, mais je m'attendais tellement à me prendre un carton, à me faire défoncer par des gens qui me disent Mais comment vous avez pu faire une boîte sans business model C'est nul, mais vraiment, vous méritez cet échec et tout. En fait, ils ont été très gentils. Et c'était d'autant plus désarmant. Et, euh, et voilà, donc j'en ai gardé une vraie volonté de créer une boîte qui avait un business model. Et c'est vrai que quand j'ai monté de June, euh, je me suis dit, mais je ne veux plus jamais faire une boîte qui n'a pas un business model solide. Euh, Aujourd'hui, ça fait trois ans qu'on existe, ça fait deux ans qu'on est rentable. Quoi. Donc euh, pour moi, c'était, je veux être l'architecte de ma propre croissance et je veux avoir cette liberté-là. Et, euh, et lever des fonds parce que euh, si à un moment je décide que j'ai envie de mettre un accélérateur sur un truc, je lève des fonds mais le fonds ne vient pas compenser entre guillemets euh, euh, la croissance ou le business model que ouais, je n'ai euh, pas. Quoi. Ouais. Rania, comment ça, comment ça se passe au moment où toi tu comprends que ben, tu ne vas pas, vouloir, pas pouvoir continuer avec Afri Market. Tu l'as dit, tu as 250 personnes dans cette boîte, ça doit être un crève-cœur absolu. Euh, concrètement, les, les, les étapes, le, donc le tribunal de commerce il y a un an, comment ça fonctionne euh, et quel, surtout, quel conseil tu donnerais à quelqu'un, aujourd'hui c'est une période difficile, il y, y a beaucoup de boîtes qui, qui, qui galèrent, qui sont en train de potentiellement fermer, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se retrouve dans la situation dans laquelle tu t'es retrouvé il y a un an pour traverser ces différentes étapes euh, Merci beaucoup, Déborah. Alors, euh, premier élément, je dirais, le faire proprement sur la partie juridique. C'est euh, moi, j'ai des amis qui ont fermé leur boîte et deux ans, trois ans plus tard, ils ont encore des euh, lawsuites euh, les concernant parce que, en tant que mandataire social, on est pénalement répressible. Et donc, le point 1, c'est bien s'entourer et le faire proprement d'un point de vue juridique. Le deuxième élément, comme euh, tu l'as dit, j'avais 250 salariés dans ma boîte. C'était effectivement euh, ma première aventure entrepreneuriale, donc il y avait un affect très fort et que la. Pour moi, l'une des choses les plus importantes dans l'aventure entrepreneuriale, c'est les hommes, les hommes qui vous aident, les femmes qui vous accompagnent. Et justement, j'ai mis beaucoup d'accent euh, sur la dernière phase pour accompagner ces gens-là au maximum, de manière très structurée, les aider à faire leur CV, les aider pour les interviews, les aider à réécrire sur papier quelles ont été les réalisations qu'ils ont faites euh, au, au sein free market et pouvoir les aider à rebondir. Et le troisième point, c'est soi-même. Donc euh, on se rend rarement compte de tout ce qu'on déploie comme énergie dans, <laughs> dans une faillite, que ce soit l'énergie physique, émotionnelle, et, et, et on essaye toujours de trouver des solutions. C'est la nature de l'entrepreneur, plan A, plan B, plan C, plan D. Et donc à un moment, il faut juste se donner le temps et accepter. Et euh, effectivement, il y a eu des nuits blanches et beaucoup de douleurs personnelles, surtout euh, avec une relation si forte avec son entreprise qui a duré euh, 6-7 ans donc le troisième point c'est prendre soin de soi et euh, prendre le temps aussi de réaliser et de pour, pour être capable de reconstruire et de rebondir à nouveau. Carole, ce sont des, des points que tu, que tu partages ah ouais, Je valide tout à fait ce qu'a qu dit Rania. Il y a quelque chose de très, euh, très lié à l'humain parce que bah, c'est sûr que c'est extrêmement douloureux. D'autant plus que nous, on venait d'annoncer une levée de fonds à nos salariés. Et puis en fait, trois semaines plus tard, il faut leur dire en fait, ils n'ont pas payé, donc euh, bah, on va fermer la boîte. C'est un peu la double claque euh, qui, que, que tu ne vois pas venir. Donc ça c'est vrai qu'il y a un gros accompagnement des autres euh, et j'en rejoins tout à fait le côté, euh, bah, la solitude qui va après, euh, moi c'est vrai que c'était ma toute première boîte, je viens pas du tout du monde de l'entrepreneuriat et j'ai eu un certain nombre de gens qui m'ont gentiment fait comprendre que Franchement, à quoi d'autre tu t'attendais quoi euh, étais prof à l'université, tu as voulu monter une boîte. Bon bah voilà, c'est un juste retour aux choses. Et quand j'ai dit à ma mère huit euh, mois plus tard que j'allais remonter une boîte, mais elle était traumatisée quoi. Elle était, hein, elle était morte d'inquiétude et, euh, et ce que je peux comprendre. Euh, après, en, en toute transparence, c'est c'est ce genre d'épreuve dans la vie, ça fait aussi un peu le tri entre les gens euh, qui vous soutiennent vraiment et qui seront vraiment là pour vous pour le long terme, euh, et les gens bah, qui finalement ne euh, le, le faisaient pas pour de bonnes raisons. Euh, moi, je sais que, euh, je, mais je pense que Rania euh, est dans le même cas, mon investisseur qui avait mis euh, 30 000 euros en, en mon tout premier business angel, quand je l'ai appelé pour lui dire, je sors du tribunal, je suis désolé, j'ai un liquidé, il m'a dit, mais écoute, félicitations, parce que tout ce que tu as fait, c'était vraiment bien, et tu apprendras encore mieux pour celle d'après. Et, et cette relation-là... Il y, y a ce côté, ce que je dirais, Anya, très, il faut être honnête, il faut bien faire les choses. Il n'y a rien de pire que de mal faire les choses, de filouter. De, de toute façon, au bout d'un moment, un échec, c'est un échec. Ça se valorise aussi. Et j, je pense que ça, c'est un point important dont il faudra parler. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il oui, y, y a quelque chose de très humain. Et le, le conseil, peut-être, que je donnerais c'est de justement pas le faire trop tard. Il y a des délais qui sont tout bêtes. C'est 45 jours avant la, la, après la cessation du paiement d'un salaire pour que votre employé soit couvert par la garantie de l'État. Au-delà de 45 jours, bah non seulement bah vous payez plus votre salarié depuis 45 jours, mais surtout l'État ne va pas pouvoir lui, lui permettre de payer son salaire. Donc c'est des petites choses comme ça qu'il faut savoir, euh, mais qui permettent derrière de faire les choses au final bah le plus correctement possible. On reste en France, il y a des tas d'outils, il y a pas mal de couvertures à mettre en place. Et le fait de bien faire les choses ça permet justement de, bah, de couvrir un petit peu ces risques là qu'est ce que vous avez appris de, de ces aventures là euh, j'imagine énormément de choses mais la résilience euh, quel... <laughs> ouais. euh, bah, j'ai appris qu'il fallait avoir un business model déjà euh, j'ai appris qu'il fallait il fallait être capable de prendre des décisions, les décisions difficiles, les décisions courageuses que tu n'as pas envie de prendre. Mais il vaut mieux les prendre plus tôt que plus tard. Un exemple tout bête, ce fonds d'investissement avec qui on avait signé, c'était le seul qui avait voulu investir dans la boîte. Euh, on n'avait pas voulu, on avait accepté pas mal de trucs, on, on était un peu gêné par certains trucs, mais bon, au final, on avait dit oui. Alors qu'au final, on aurait dit non dès le départ, en disant, bah, en fait, ça, c'est ma ligne de conduite et je n'en dévierai pas. Peut-être ça nous aurait fait liquider plus tôt, mais à minimiser on aurait été plus, je pense, droit dans nos bottes. Et c'est vrai que euh, avec June, je suis dans une politique qui est vraiment euh, très. Alors, je dis pas pas de compromis parce que ça n'existe pas, mais je, très peu de compromis. J'ai une ligne directrice et je m'y tiens. Et ensuite, soit je trouve des gens hein, qui vont avec moi dans cette aventure, mais je ne vais pas faire des petits détours pour faire plaisir à des gens. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort de, de pouvoir se dire bah, je, je crois fort en mes convictions et je tiens mes convictions. Anya, c'est encore tôt. Hein un an, c'est tôt en fait pour C'est ce beaucoup et c'est euh, -ce <laughs> peu à la fois. Avec le, le recul que tu peux avoir après un an, qu'est-ce que tu as le sentiment d'avoir euh, appris Alors il y a plusieurs volets, je pense, sur lesquels euh, après une fermeture de boîte, on, on, on apprend beaucoup. D'un point de vue business, naturellement, euh, j'étais first time entrepreneur, donc j'ai fait plein d'erreurs euh, qui m'ont appris également. Mais il y a pas mal de choses, effectivement, à refaire peut-être un peu différemment. Euh, on a ouvert cinq pays à la fois, peut-être en même temps, on aurait peut-être pu en ouvrir euh, un à un. Donc, des détails un peu opérationnels, s'entourer au début plus de A-player sur la partie euh, six level etc. Donc, ça, c'est des détails opérationnels qui n'auraient pas changé la trajectoire de la boîte. D'un point de vue marché, c'est très important d'être en phase avec son marché. On était sur un marché en pleine croissance. C'était la classe moyenne africaine, tous les chiffres étaient au vert, mais effectivement. Est-ce que le marché était déjà prêt pour pouvoir exploser On parlait de milliards de dollars en 2025. C'est peut-être qu'en 2025 que ça va arriver. D'un point de vue personnel, je pense que la grande qualité d'un entrepreneur, c'est d'être humble et euh, d'être capable et en même temps d'accepter les succès comme d'accepter les échecs. Trois mois avant la fermeture, je faisais la une de tout, de challenge sur tous les murs de Paris et trois mois après, j'étais au tribunal de commerce en train de défendre pourquoi euh, j'avais rien fait de mal et que j'avais fait le maximum. Donc, je pense que c'est aussi ça un entrepreneur, c'est il faut être capable d'accepter les succès, être capable d'accepter les échecs et être capable surtout de rebondir. Aujourd'hui, euh, d'un point de vue personnel, je pense que les skills, on ne se rend pas compte... Euh des compétences acquises en, en tant qu'entrepreneur. Moi, personnellement, c'était mon unique expérience professionnelle qui a duré 7 ans. J'ai fait 4 levées de fonds, j'ai employé 250 personnes, on a révisé avec mon associé des, des dizaines de fois toute l'organisation de la boîte, on avait des équipes décentralisées, donc il y avait beaucoup de compétences qui ont été acquises, que ce soit financière, managériale, marketing, acquisition, et j'en passe bien entendu, on doit être un couteau suisse et être capable de tout comprendre, mais je pense que l'apprentissage le, le principal, c'est qu'un entrepreneur, il faut que ça reste les pieds sur terre. Et ça, c'est important. C'est intéressant ce que tu racontes sur euh, aussi l'état d'esprit vis-à-vis de l'échec. Enfin, si c'est ouais, un mot un peu large, quoi mais euh, euh, on a tendance à dire qu'aux États-Unis, c'est super valorisé, que si tu as planté ta boîte, tous les investisseurs vont vouloir investir dans la prochaine, parce que, là, 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 alors qu'en France, c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce enfin, qu que tu penses de, de ce, cette espèce de légende urbaine-là Est-ce que tu l'as vécu Alors, je l'ai complètement vécu. J'ai rejoint il y a un peu plus de six mois un fonds euh, Venture. Donc, je suis passée entre guillemets de l'autre côté de la table. Euh, donc, Equity Venture, qui est un fonds suédois qui, justement, fonds européen, qui reconnaît énormément ces compétences-là. C'est un fonds que d'anciens opérateurs et anciens entrepreneurs. Pour, en, pour apporter de la valeur ajoutée supérieure à l'entrepreneur, se dire, OK, on va t'apporter de l'argent, mais en plus de ça, on a notre humble expertise euh, d'entrepreneur à nouveau qu'on va, qu va mettre aussi sur la table. Et je pense que dans la posture aussi... Là, on n'est pas contre l'entrepreneur comme j'aurais pu avoir des relations avec des Vici que, que j'ai croisés. Là, on est vraiment du même côté de la table parce qu'on comprend et les, les choses vécues et donc on va avoir une approche un peu différente. Et donc, oui, l'aventure les, 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 d'entrepreneuriat est valorisée. Euh, j'ai été recrutée pour euh, diriger le bureau de Paris de, de ce fonds-là qui a un fonds de 700 millions. Donc, je pense qu'à euh, posteriori, oui, mon aventure chez afrimarket est clairement valorisée. Est ce que j'ai appris et ce que j'ai construit pendant cette période là aussi. Carole, qu'est-ce que tu en penses de, de ce point-là Je pense qu'en fait, il y, y a pas mal de comment dire, il y, y a pas mal de choses qui ont, je trouve, quand même changé. Il euh, y a 4-5 ans, quand euh, tu trouvais des entrepreneurs qui avaient échoué, c'est vrai qu'ils avaient tendance à, je veux pas dire à, à pas à se cacher, mais bon, à, à, à devoir montrer que vraiment ils étaient désolés, euh, comme si c'était une tarte quoi, et que tu devais vraiment t'excuser d'avoir raté ton truc. Je trouve que c'est un petit peu moins le cas maintenant. Euh, c'est vrai que ben, être patron de start-up, il y, y a toujours un côté euh, plus par rapport à si tu veux repartir sur un job salarié. Il y a toujours les gens en face qui vont se dire est-ce qu'il est prêt à accepter d'être un salarié parmi les autres Et les recruteurs font quand même un effort, je trouve, maintenant pour se dire en fait, ce sont en effet des couteaux suisses. Ils savent faire plein de choses ils lâchent rien. Et ils arrivent à valoriser ça aujourd'hui, je pense, plus qu'il y a 4-5 ans. Euh, et donc, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui, que je trouve assez, euh, assez positif. En tout cas, pour moi, la trend, elle est plutôt vers le haut. Quoi. Tu voulais rajouter Oui, je, je pense aussi avec la casquette investisseur, euh, on aura beaucoup plus de facilité à lever de l'argent. Quelqu'un qui a déjà monté une société, qui a marché ou non, mais un second time funder a beaucoup plus de valeur qu'un qu first time funder parce qu'il ne refera pas forcément les mêmes erreurs. Une dernière question parce qu'on arrive, je crois, déjà oui, à la fin de ce panel. Euh, le, la prise de risque, c'est quelque chose qui peut faire peur au moment d'entreprendre. On a en plus des études qui montrent que euh, les femmes sont plus avares au risque que les hommes. Donc ça peut être peut-être une des barrières qui fait qu'on est si peu de femmes dans cet écosystème, encore. Euh, vous en êtes euh, bien heureusement le contre-exemple. Est-ce euh, que la question que j'ai envie de vous poser, c'est est -ce le... Est-ce que vous prouvez le contraire, en fait, le, le fait... Le risque, la peur, la peur de l'échec ne doit pas être une raison de ne pas entreprendre. Est-ce que c'est la leçon avec laquelle vous voulez que, que le public parte aujourd'hui Alors, je pense que je parlerai en notre à toutes les deux en disant que oui, nous, on adore le risque avec Rania. C'est vrai que c'est ben, à la fois le risque, mais c'est aussi. Euh, oui, il n'y a rien qui t'arrête, quoi. On adore faire le truc, on est ultra commit. Et c'est vrai que euh, c'est les plus grosses barrières. Moi, j'ai retenu ça quand je faisais un, un atelier d'écriture il y a une quinzaine d'années avec une auteure australienne qui me disait euh, « la plus grosse censure en tant qu'écrivain, c'est toujours soi-même ». Mais cette phrase, elle est vraie pour tout. La plus grosse censure que tu vas avoir, ce sera toujours toi en premier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens après qui vont se dire « oui, mais peut-être que euh, moi, je suis une femme, je n'ai pas du mille d'entrepreneuriat, je n'ai pas de diplôme de business, je, je, je cumule les cailloux dans mes chaussures ». quoi. Mais peu importe, c'est-à-dire que la, cette motivation-là, cette envie de, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Il faut juste accepter de se pousser sa propre frontière, sa propre barrière. Moi personnellement, mon aventure entrepreneuriale, ça a été la chose la plus belle de ma vie. Je recommencerai sans doute. <laughs> à chaussée entrepreneur, on nous disait jetez les halos, ils apprendront à nager. Et euh, justement, c'est n'est pas un plaisir de parler des échecs et que de remonter sur scène aujourd'hui. Donc si personnellement je suis là, c'est juste pour envoyer un message positif de oui, on peut le faire, on peut tomber, on peut monter très haut, on peut aussi tomber très bas. Et en fait, le, le jeu en vaut carrément la chandelle. Et donc sur la, sur la jolie phrase de Churchill, euh, je vais m'arrêter là, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Magnifique, de... merci beaucoup. Merci à vous tous, bon après-midi. Bonjour à tous, bonjour, merci d'être là sur cette scène Talent. Je suis Clément Buise, je suis vice-président de France Digital, le collège entrepreneur. Je suis également entrepreneur moi-même. Dans, dans un passé très proche, j'ai fondé une boîte qui s'appelle PeopleDoc, Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir Vincent Skiandra, Vincent, euh, sans dévoiler euh, ta boîte, tu fondateur de... On dit Metron ou Metron Lab Metron. Metron, voilà. Metron. Euh, vous allez voir, avec Vincent, on va parler talent, on va parler recrutement à l'étranger, on va être un peu exotique aussi, on va parler de Dubaï, de d'Amérique latine, de, voilà. Donc euh, vous allez voir une aventure assez atypique et euh, hier en préparant l'interview, euh, je t'ai mis euh, un peu de pression en disant qu'on a des gens qui veulent être là pour apprendre à apprendre de tes euh, fails, là où tu t'es trompé, là où tu as réussi, mais voilà, allez, on va essayer de euh, voilà, vous partager des tips, partager des retours d'expérience. Vincent, tu nous parles un peu, t'es qui et c'est quoi ta boîte Bonjour à tous. Euh, donc Metron, c'est une société que j'ai créée en 2013, qui a réellement débuté en 2014, qui aide les, les usines, l'industrie à optimiser les consommations énergétiques au quotidien sans changer les machines. C'est-à-dire prendre l'outil industriel actuel et grâce à la donnée, grâce aussi à de l'intelligence artificielle, réussir à mieux piloter les machines pour fabriquer autant de produits qu'avant à la même qualité. Et t'es passé où alors alors, le siège social de, de Metron est à Paris, dans le deuxième arrondissement. Et après, on, on est basé dans neuf, enfin huit autres pays. Donc euh, au Mexique, en Colombie, à São Paulo aussi au Brésil, à Milan, à Dubaï, à Singapour, à Tokyo et à Séoul. Voilà. Oui, je ne vous avais pas bluffé. Bon, euh, vous remarquez qu'il ne choisit pas les... les, les les destinations les moins sympas voilà euh, et, et hier quand tu m'as dit ça je me suis dit, du, donc toi tu vis dans un avion comment ça, ça se passe avant, oui. comment ça se passe le management on va dire même avant euh, le covid etc mais vous êtes 140 dans la boîte euh, c'est ça voilà. euh, donc assez décentralisé comment on crée une culture d'entreprise comment on engage des salariés euh, dans, dans une aventure comme ça alors il y a il y, y a deux moments il hein. y a avant la crise sanitaire et puis après, il a fallu se réinventer. Je pense que ce sera une des discussions qu'on aura. Mais euh, juste, avant, justement, euh, juste avant le confinement, d'ailleurs, j'étais en train de, de, de faire le tour des différentes filiales. Donc, j'étais très régulièrement, une semaine sur deux, en gros, j'étais à l'étranger, dans une zone euh, euh, différente, soit, soit Amérique latine, soit Asie. Et euh, je faisais le lien, en fait, avec la culture du, du, du siège, de Metron Paris, justement. J'apportais régulièrement les avancées, le lien qu'on avait. Alors, on faisait des visioconférences déjà et on, et on travaillait à distance, mais c'était super important pour moi de transmettre l'ADN de l'entreprise et de réussir à, à, à transmettre un peu la passion qui nous anime. C'est un, un projet, Métron, qui est extrêmement orienté vers l'avenir. L'efficience énergétique et, et, et la performance énergétique, c'est quelque chose de très important et qui, en, de plus en plus... Euh, compris par tout le monde et le faire dans l'industrie c'est vraiment euh, un challenge parce que c'est pas la même culture que l'environnement digital dans lequel on est aujourd'hui c'est une culture beaucoup plus conservatrice complexe et de changer les mentalités ça demande pas mal de pas mal de, de persuasion. Donc, du coup, j'amenais cette, euh, cette volonté de changer les choses auprès des équipes locales et euh, je leur transmettais cette énergie et qui, du coup, eux euh, réussissaient avec les, les, les clients à, à, à le transmettre. Bon, monde d'après monde d'avant, okay, quand tu es 140, bientôt 200, etc. C'est pas très scalable d'être en gros le, le parrain de la culture dans la boîte. Absolument. Euh, L'ubiquité, ça n'existe pas. Les, les, les hologrammes, ça ne marche pas trop. Quand... C'est quoi ton modèle Tu as, as des ambassadeurs locaux de la culture Tu as un patron local quand, quand, comment En on... fait, juste avant le confinement, on était, en train, on était en train justement de travailler. En fait, on a grandi très très vite. Donc on est passé de, 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 de 40 à 140 en, presque, en moins de deux ans. Ce qui fait que. Au début, on n'a pas eu forcément le temps de mettre en place ces ambassadeurs locaux, parce qu'une culture, ça s'apprend. Ça, ça donc on était déjà en train de travailler sur ce sujet de comment créer des groupes de travail sur des thématiques et d'avoir des ambassadeurs locaux sur les technologies, sur l'énergie, sur le marché, etc. Et donc du coup, le confinement a, a accéléré tout ça, parce que du coup, on, on a pu échanger beaucoup plus et créer des groupes de travail sur ben, comment mieux fonctionner ensemble sans que je sois... Euh, obligé de me déplacer physiquement. Donc, il a fallu trouver de nouvelles méthodologies, euh, euh, comment, euh, euh, comment transmettre à travers des vidéos, à travers du contenu, même pas forcément pour les clients, hein, pour, pour nous en interne, comment en, en quelques secondes réussir à transmettre une partie de cet ADN et d'embarquer les nouvelles recrues. Parce que je fais le lien avec quelque chose dont on va parler après, mais c'est qu'on a recruté pendant le confinement à, à peu près 40 personnes, 20 en France et 20 à l'étranger, dans les neuf filiales dont je vous ai parlé. On a ouvert. Séoul et Tokyo pendant le confinement, avec des personnes qu'on a recrutées sur place. Attends, comment on fait ça pour ouvrir Séoul et Tokyo pendant le confinement Je sais pas. On a déjà <laughs> pourquoi on décide de le faire à ce bah, moment-là. C'était prévu d'avant. On, on a signé un très gros contrat avec NTT euh, DoCoMo, donc. Euh, un des acteurs du télécom japonais assez important. Et dans notre contrat et dans ce qu'on avait à faire, une des tâches, c'était justement de créer une filiale en local pour assister les équipes de NTT de Como à vendre et à promouvoir nos solutions en local. Et donc, du coup, ça faisait partie du contrat. Donc, quelque part, il fallait le faire. Et on n'a pas voulu le subir. On a voulu mettre en place vraiment une filiale locale. Et du coup, ça nous a posé pas mal de challenges. Le Japon, c'est une culture aux antipodes de la nôtre. Donc, du coup intégrer euh, des, euh, des collaborateurs japonais, euh, transmettre la culture, euh, ouvrir la filiale, tout ça à distance. Euh, je ne sais pas si on a réussi totalement, ça fait que quelques mois, mais on a réussi quand même à, à transmettre pas mal de choses. Pour être hyper pragmatique, tu vas dans un pays, tu sais quoi C'est un recruteur en France qui recrute de là, tu fais du LinkedIn, tu fais un deal avec une agence locale, tu fais un peu tout Je ne je, je, je vais pas vous vendre du, du rêve, hein, c'est beaucoup plus simple que ça. Euh, généralement, enfin, moi, comment je fais euh, On fait un premier voyage dans le pays qui nous intéresse, qu'on a ciblé, dans lequel il y a un potentiel marché. Euh, on va sur place, on essaie de détecter un maximum de, euh, de leads locaux commerciaux, ça commence toujours par du business, euh, et on essaie de rencontrer euh, tous les acteurs importants qui pourraient nous permettre de signer un deal local. Et à partir de là, on voit comment ils réagissent, c'est-à-dire euh, quels sont les types de profils, est-ce que c'est comme euh, en France ou ailleurs, euh, nos interlocuteurs euh, décisionnaires, est-ce que c'est les mêmes ou pas. À partir du moment où on a analysé ça, donc ça prend un ou deux voyages, derrière, on arrive à profiler. Quel type de personne on aurait besoin Est-ce que c'est quelqu'un plutôt très senior avec un gros réseau euh, qui va nous coûter très cher mais qui euh, nous facilitera l'accès Est-ce que ça peut passer par, en attendant, des, des apporteurs d'affaires, des personnes qui vont avoir un, un réseau, pas forcément les compétences techniques, mais ça on peut l'apporter, mais qui vont nous ouvrir les bonnes personnes à un moment donné euh, Ou est-ce que ça peut passer par euh, la CCI ou d'autres. D'autres entreprises qui font ça très bien aussi, euh, parfois dans certains pays, euh, qui vont nous créer des leads commerciaux. Et il y a après le premier deal de mettre en place quelque chose. Et euh, grâce à cette étude de marché, on va dire un petit peu à l'arrache. Pragmatique, hein, on va, se, voilà. euh, Pragmatique, euh, on va euh, dire. Oui, désolé. Terrain. Et, euh, grâce à cette étude de marché de terrain, euh, on, on a euh, du coup rapidement le type de, de blocage que l'on doit lever. Euh, le niveau en fait d'interlocuteurs qu'on arrive à avoir par nos propres moyens bref comment on doit passer les étapes et c'est très différent entre le japon la corée euh, l'amérique latine c'est à chaque fois complètement différent et, euh, et après on essaye à travers les réseaux euh, soit de français sur place soit euh, d'autres personnes qu'on peut connaître on arrive à petit à petit comprendre l'écosystème souvent on fait un premier recrutement ça marche pas à tous les coups euh, le premier n'est pas forcément celui qui va rester euh, dans six mois ou dans un an, euh, mais ça nous permet d'affiner. Donc, il faut prendre le risque à un moment donné d'engager quelqu'un euh, dans lequel on croit hein, à chaque fois, euh, qui va peut-être nous décevoir, mais de toute façon, en fait, il y, y, y a peu de chances que ça marche dans un premier temps, mais il y a aussi de la ch des chances que ça marche. Voilà. Tu disais, vous allez voir les autres boîtes, l'écosystème et. Euh moi je trouve l'exemple de, de, de ta boîte hyper intéressant parce qu'aujourd'hui la plupart des boîtes alors tech B2B B2C en gros on éprouve notre solution euh, en Europe en France hein, et puis on va très souvent aux États-Unis enfin c'est un peu ce qui se passe la tendance euh, toi, pas du tout. J'ai l'impression que tu fais tous les autres pays, <rire> <rire> sauf ceux-là. Et du coup, tu, tu dois évangéliser, j'imagine un petit peu. Alors, notez bien son nom, du coup, hein, si vous l'allez à Dubaï euh, ou, euh, ou en Bolivie <laughs> ou, euh, ou, 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 ou en Asie. Enfin, euh, j'imagine que vous êtes un peu pionnier aussi dans, dans, dans la scène tech française. Ou est-ce qu'il y a quand même déjà d'autres boîtes et que tu arrives à avoir un réseau, des gens qui vous ont aidé euh, Dans la scène tech française, pas trop. Ouais, euh, on n'en croise pas beaucoup. Dans la scène tech, euh, par exemple, anglaise euh, ou espagnole, en fonction des, des zones où on va, en Amérique latine, il euh, y a quand même beaucoup de tech espagnole euh, qu'on recroise. Bien sûr. Peu de françaises, c'est vrai. Euh, des anglais qu'on croise un petit peu de partout. Euh, mais globalement, on est souvent seul dans les pays où on va. Euh, mais c'est vrai que je n'ai pas du tout misé sur les États-Unis. Les États-Unis et la Chine, c'est les deux plus gros marchés industriels. Je n'ai pas du tout misé dessus. Euh, parce que l'accès à ce marché est très cher, pour moi, en tant que, en tant que tech sur la partie industrie. Il euh, y a quand même une compétition, même si ce n'est pas du tout ce que l'on fait. D'un point de vue marketing, il y a une compétition, du coup, l'effort est important. Dans tout le reste de l'Amérique latine, le Mexique, euh, le Brésil, par exemple, sont les deux pays les plus industrialisés du coin, hors États-Unis. Et donc, du coup, là, il n'y a personne. Il n'y a personne, et donc, du coup, il y a tout un marché à prendre. Et quand on va voir ses clients euh, dans la zone... Ils nous disent merci. Ils nous disent en fait, il y a, à part Schneider Electric et Siemens, il n'y a personne d'autre dans ce que l'on fait qui vient les voir. Du coup, il y a un boulevard. Donc, on a pris les positions très rapidement dans la zone. Pareil en Asie, pour aussi non pas être simplement essayer d'être les meilleurs sur la technologie, mais surtout d'être les premiers et du coup de marquer un territoire assez large. Et dans, pendant le confinement, ça a été un élément hyper important parce qu'on a continué à faire du business parce que la, la pandémie étant une vague, ça a commencé en Asie. Donc nous, on a eu nos équipes euh, en Asie qui étaient confinées en premier. Donc on a très vite préparé en fait les choses pour l'Europe. Et les derniers ont été l'Amérique latine. Et donc du coup, quand ils ont déconfiné en Asie, ben, on a signé notre deals très fortement, des gros gros deals en Asie à ce moment-là, pendant qu'on était en train d'être confinés en, en, en Europe. Ce qui fait que pendant cette phase de confinement, on a fait 70% de croissance de chiffre d'affaires grâce à l'Asie et l'Amérique latine. Et après, on est passé à l'Amérique latine où c'est encore très compliqué. Et, et la France s'est rouverte, et du coup, enfin l'Europe s'est rouverte, et du coup, on a pu euh, recommencer à travailler. Dans, dans, euh, pour reparler, talent international, euh, je me souviens des erreurs qu'on a faites quand on a été euh, aux États-Unis avec PeopleDoc, c'est qu'on a ouvert un bureau là-bas, bien sûr, à New York, etc. Et on n'a cool. pas, on a... non, mais on a pas <laughs> vraiment assumé notre culture française ou notre ADN français qui est de façon là et qui transpire dans tout ce qu'on fait. On a essayé de créer une version un peu américaine de la boîte. Ça n'a pas marché. On a d'ailleurs recruté, on a fait beaucoup d'erreurs de recrutement à cause de ça. Mmh. Et dès lors qu'on a compris ça, ça nous a quand même pris 18 mois, ça a été beaucoup mieux. On a vachement assumé notre culture. On a vendu le côté Frenchy euh, aux US. Est-ce que toi, euh, comment, tu vois, comment ça se passe dans les pays dans lesquels tu es Est-ce que c'est bien accueilli Est-ce que c'est au contraire un, un modèle où je vais au Japon, je, je, je vais essayer de créer une entité vraiment euh, nippone, euh, locale ou... C'est assez bien accueilli. Enfin, ça dépend des pays. Par exemple, on a essayé, euh, on a essayé un petit peu de, de, de s'installer en Allemagne, de créer le truc. Pas du tout bien accueilli. C'est à que tous les clients avec qui on discutait nous disaient :« C'est génial ce que vous faites. C'est dommage que vous ne soyez pas allemand. Merci, au revoir. » en Amérique latine dans ce que l'on fait il y a un vrai savoir-faire grâce à des très grosses entreprises aussi comme Schneider Electric ou autres qui est reconnu et du coup la France a plutôt une super bonne image sur ces sujets-là. Du coup ça a été très très bien accueilli voire même un peu trop, c'est-à-dire que euh, on a envoyé des VIE, on a envoyé aussi il euh, y a des personnes sur place françaises qu'on a dû recruter parce qu'ils voulaient voir le côté français dans l'entreprise. Il ne voulait pas des consultants ou des personnes euh, colombiennes qui venaient dans les usines en Colombie. Il voulait voir à un moment donné un Français, c'était ce qui payait, on va dire, la solution est plutôt premium, elle coûte cher. Il voulait voir ce, ce côté européen dans la solution euh, en face à face. Ça, ça a été un élément. Au début, on n'a on pris que des Colombiens et on s'est planté. On a voulu faire un truc euh, colombien et il voulait euh, le marché voulait quelque chose de un peu plus français que, que, que colombien. Et au Japon, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup le côté français, mais ils veulent absolument avoir des interlocuteurs seulement japonais pour euh, la culture, la facilité et, et, et les échanges. Donc c'est très variable. Et, et on a fait plein, plein, plein d'erreurs de recrutement <laughs> de ce type-là. Euh, et 18 mois, c'est plutôt court. On s'est hein, oui. planté euh, parfois pendant beaucoup voilà. plus longtemps. Hein. Une de tes leçons, si je comprends bien, c'est allez-y, soyez pragmatique. Allez-y d'abord vous-même. Quand on se pose la question, on est une vingtaine de personnes, on est en France, on se dit OK, l'Espagne ou un autre pays, donc allez-y vous-même, essayez de vous faire votre propre opinion, ayez confiance ouais. en vous-même, et puis faites le pari sur une première personne, si je comprends bien. Et soyez préparés à vous gourer, vous tromper, pardon, rapidement, réagissez rapidement. Tu es d'accord avec ça Je suis d'accord avec ça, on a commencé international en 2014, ouais. donc dès le début de métro en fait. Et dans ma tête, être leader d'un marché français. Euh, dans 5 ans ou autre et après un taquet international c'était pas possible donc c'était tout de suite aller à l'étranger et donc tout de suite on a pris les pays où il y avait des opportunités business pour nous et euh, ça a marché ça a été difficile parce que bah, différentes cultures en même temps on est en train de créer le produit il y a plein d'inconnus en parallèle euh, mes actionnaires ont bien flippé euh, pendant, pendant ça parce qu'on crame du cash hein, pas mal euh, pendant, euh, pendant ces phases là et pendant le confinement, il y a eu une sorte de déclic, puisqu'on a réussi à faire le chiffre d'affaires et à, à avoir presque aucun impact financier sur Metron, euh, grâce au fait qu'on avait des équipes locales qui pouvaient prendre le relais et, et continuer la vie de, du, du, du business sans, sans, forte, sans fortement être impacté. Il nous reste une minute trente, un mot avant, avant la dernière question. Ta stratégie de financement, ça a été quoi Ça a été, euh, on teste un peu, on prouve le modèle et on lève sur ça, ou on lève en disant on va on va ouvrir 10 pays Non. Euh, ça, encore aujourd'hui, les fonds, euh, on est en train de lever euh, plus d'une trentaine de millions d'euros là en ce moment. Euh, même aujourd'hui, euh, ça fait encore flipper les fonds, euh, les pays qu'on a ouverts et, et la, la vision qu'on est en train d'ouvrir. Je suis en train de leur dire qu'on va ouvrir la Russie. Il, il, tous les pays ne sont pas du tout sexy pour, euh, mmh. pour les fonds que j'essaie d'ouvrir. Ils préféraient que je dise justement les États-Unis et la Chine. C'est plus simple. Euh, mais ce n'est pas ma stratégie. Du coup, moi, ma stratégie a toujours été de dire. Euh, on teste, il euh, faut trouver les, les bons clients dès le départ. On a commencé Métron avec un client. Ça a tout de suite trouvé un early adopteur qui a accepté. C'était les usines de chocolat de, du groupe C'est Moi, euh, une usine à côté de Dunkerque, à Bourbourg. Le mec a dit C'est génial votre vision, j'aimerais que ça marche. Et donc, du coup, on a fait le produit sur l'usine. Et à partir de là, euh, C'est a joué le jeu, a publié les choses. Et ça a décollé comme ça. Derrière, Lint nous a contactés. Enfin bref, dans le chocolat, on a fait une super traction. On a pris quelques kilos aussi au passage. Et puis, euh, euh, on a réussi à transformer ça dans d'autres secteurs d'activité. Et là, pour les investisseurs, ce n'était un, un, pas juste un coup de bluff ou euh, un coup de chance. Quand on a réussi à signer avec un Saint-Gobain, par exemple, là, ils ont dit bon, OK, ils arrivent à diversifier. Et ça, ça a aidé à financer. Et après, euh, l'international, non, j'y suis allé, j'ai cramé du cash et après, je leur ai montré les résultats. Donc, ce sera la, la méthode, ce qu'il y en aura c'est allez-y, cramer du cash et. Et, et, et prouver que ça, ça marche après. Un grand merci, il nous reste 0 secondes, 0-0. Merci à merci tous. À toi. Merci à N'hésitez pas à contacter Vincent si vous avez besoin d'en savoir plus. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi à tous. J'espère que vous survivez à cette chaleur derrière vos masques. On prend une grande inspiration, on est ravis de, de, de se montrer visage découvert auprès de vous. Je suis votre animatrice de panel pour cet après-midi et j'ai le plaisir... Euh, de vous emmener euh, pendant une demi-heure euh, dans cette discussion en compagnie de, de trois interlocutrices. Euh, je vais commencer euh, de l'autre côté de la scène euh, par Julia Bijawi, euh, qui est la fondatrice de Frischti. Euh, Frischti, qui bien sûr euh, fait de la livraison euh, de cuisine maison, d'épicerie, euh, de, de plats cuisinés de toutes sortes. Euh, à ses côtés, euh, c'est donc Melvina Sarfati, euh, la DG France de Deliveroo. Euh, donc Deliveroo euh, qui également euh, fait de la livraison de plats cuisinés euh, sur un créneau un tout petit peu différent, on a, on a installé deux concurrentes euh, côte à côte aujourd'hui, qui sait ce qui se passera. Euh, et enfin euh, à ma droite, euh, Elisabeth Colléon euh, qui est donc Chief Marketing Officer de Conto, euh, Conto qui est une néo à destination des entrepreneurs, euh, des euh, petites entreprises et des freelances si je ne m'abuse. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de. Le, le panel est intitulé uh, The Definition of Opportunity Threat. Et peut-être qu'on va garder ce mot pour nos prochaines parties de Scrabble et se contenter plutôt de, de le définir. Euh, on va parler ensemble des opportunités qui existent dans la crise. Euh, on a vu au début du, de la crise du Covid-19, euh, les investisseurs se ruaient tous pour, con, pour conseiller aux startups diverses euh, de faire deux choses gérer leur cash. Euh, consolider euh, leurs relations avec leurs clients, et, euh, en gros euh, se recroqueviller euh, sur eux-mêmes autant que possible et d'essayer euh, de survivre, à attendre que ça passe. Et aujourd'hui, on va prendre un point de vue un peu différent, euh, puisque les trois personnes qui vont s'adresser à vous aujourd'hui euh, ont trouvé des opportunités euh, dans cette crise, des opportunités. Euh, à saisir et, et, euh, et une position un peu plus offensive que simplement défensive pour passer euh, au travers du Covid-19. Euh, alors, pour commencer la discussion, c'est vrai que je me questionne. Donc, on a beaucoup entendu parler du fait que le Covid a accéléré l'adoption euh, du digital euh, de toutes sortes, a changé les usages du côté des consommateurs. Euh, pour autant, tous n'y ont pas trouvé des opportunités. Alors, j'aimerais que chacune vous me disiez déjà euh, qu'est-ce qui fait que dans ce contexte très particulier, euh, vous avez euh, saisi euh, ou flairé euh, une potentielle opportunité euh, et quelque chose de, qui vous permettait d'être offensif. Euh, Julia, peut-être qu'on commence avec toi et on fera le tour. Oui, mais merci beaucoup, ravie d'être là. Et donc, effectivement, je pense que le Covid ne crée rien il accélère juste des tendances qui étaient déjà là. Euh, à savoir notamment la digitalisation comme tu viens de le dire. Donc forcément pour des services comme les nôtres qui euh, proposons une, digi une digitalisation de, de secteurs qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, forcément ça ouvre, euh, ça fait grandir ce marché potentiel de clients. La deuxième chose, c'est que je pense que ça nous a tous questionnés sur notre manière de consommer. On s'est tous arrêtés un petit peu dans notre frénésie de consommation et posé la question de qu'est-ce qui était essentiel, moins essentiel. Posé la question, dans ce temps, de l'impact qu'on avait sur notre planète, sur notre santé. On s'est beaucoup posé la question de notre santé. Et donc, je pense que ça a fait accélérer, pareil, une tendance qui était déjà là, qui est la volonté de mieux consommer. Et pareil, nous, c'est un de nos combats chez Frischti c'est proposer une équation qui permette de. Euh, bien manger euh, de manière pratique et abordable. Donc, euh, finalement, euh, les, tous les éléments macroéconomiques qui ont généré le Covid sont là euh, pour euh, accélérer tout simplement l'essence de notre business model. Euh, et ça, c'est sur la partie B2C. Et sur la partie B2B, c'est un petit peu pareil, puisqu'on propose d'installer des cantines digitales sans aucun coût. Et on pourra revenir dans le détail. Mais là, on, là aussi, les solutions existantes euh, ont du mal à résister face au Covid. Et là encore, c'est une opportunité. Donc, je ne sais pas si. Euh, on a, entre guillemets, la chance, euh, en tout cas, nous, d'être sur un secteur qui, euh, de par le Covid, a vu des tendances fortes sur lesquelles on était basé s'accélérer. Et effectivement, on a su les cultiver. Je pense que pour nous, la plus grosse menace, c'était peut-être de fermer pendant le confinement. On a réussi à rester ouvert, à réorganiser toutes nos opérations, à rebasculer toute notre demande client sur la partie supermarché qui connaissait un essor très très fort, là où la partie plat cuisiné avait beaucoup plus de mal. Et donc, c'était une mobilisation interne très forte pour justement ne pas se laisser abattre par la menace, mais essayer de saisir. L'opportunité que pouvait représenter ça et tout simplement la volonté de maintenir le service pour, pour nos clients. Je rebondis juste là-dessus avant de, de continuer. Donc, du coup, ça s'est fait en deux temps, si je comprends bien chez vous, c'est-à-dire euh, au départ, une, une certaine attente pour voir est-ce qu'on va pouvoir continuer à opérer et ensuite euh, se poser la question. Bah, de... Premier temps, on a quand même 250 salariés sur le terrain et 500 livreurs auto-entrepreneurs. Donc, premier temps, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut les protéger pour continuer à opérer dans cette crise sanitaire. Est-ce que même on ne devrait pas fermer l'activité, puisqu'il y a des aides de l'État très généreuses Pourquoi faire prendre des risques Mais au final, ça nous a paru comme naturel et responsable en tant qu'entrepreneur de maintenir le service, que d'accompagner nos clients. On s'est aussi beaucoup organisé pour mener des grandes actions de solidarité. Donc, on a par exemple offert 35 000 repas avec nos clients aux hôpitaux. Qu'on a livré pendant toute la durée du confinement. Et, et, et bref, donc la, la première question, ça a été est-ce qu'on ferme La deuxième, c'est non, non, on reste ouvert, mais par contre, il faut qu'on protège les gens qui travaillent pour nous sur le terrain et qu'on se batte. Il y avait deux ou trois personnes full-time qui étaient affectées à trouver des masques et des gels hydroalcooliques. Euh, on payait des vigiles dans nos centres logistiques pour faire respecter les mesures barrières. Enfin, ça a été. Voilà, tout un pivot, euh, des, des gros changements opérationnels. Et, et ça, ça a demandé beaucoup d'énergie. Et puis après, derrière, c'est euh, tout simplement euh, euh, très vite se rendre compte que la demande client n'était plus la même. Et, et, et donc, réorganiser nos opérations pour euh, accélérer sur la partie course et supermarché, qui a triplé euh, de volume et de chiffre d'affaires pendant le confinement, là où la partie plat cuisiné, effectivement, souffrait plus. Et donc, très vite prendre compte de cette nouvelle réalité et réorganiser nos opérations et nos flux logistiques. Euh, pour adresser cette nouvelle demande. On va y re revenir euh, plus euh, dans le détail. Euh, Melvina, est-ce que vous partagez ce constat Est-ce que tu partages ce constat de euh, finalement, on n'a pas une nouvelle tendance euh, qui euh, émerge de nulle part, mais on a une accélération de, de choses qui se tramaient déjà en fond Alors, bonjour à tous, ravi d'être là. Beaucoup des choses que tu disais, euh, Julia, font évidemment, euh, résonnent énormément par rapport à ce qu'on a vécu chez Deliveroo. Euh, avant de répondre exactement à ta question, juste un petit mot d'introduction. J'ai toujours du mal avec euh, l'association la, du mot Covid et du mot opportunité quand on pense évidemment à la grosse crise que, sanitaire que ça a été et évidemment la grosse crise financière qui, qui en sort. Comme tu le disais, ceci dit, ça a été une accélération de, de pas mal de tendances. Pour nous, chez Deliveroo, ça a été l'occasion aussi de réfléchir ou de... Ou de euh, oui, on va dire de réfléchir davantage à notre purpose, comme on dit, en tant que société, en disant où est -ce, qu est -ce, quelle est notre contribution à l'écosystème qui est le nôtre, et comment on peut aider, comment finalement on peut faire en sorte que tout l'écosystème se porte mieux. Ça a pris plusieurs, euh, plusieurs dimensions. Euh, l'une d'entre elles, comme tu le disais, euh, c'est vis-à-vis de la demande des consommateurs, qui euh, ont eu. eu Il y a eu plusieurs moments et plusieurs tendances, mais l'une d'entre elles, c'est effectivement un appétit pour les courses de, de proximité. Donc pareil, on a, eu, euh, on a développé cette activité euh, des courses de proximité avec un partenariat avec euh, les enseignes du groupe Casino et on a vu une demande s'accélérer énormément pour les courses d'appoint. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a eu euh, la nécessité de, de rassurer euh, les consommateurs sur tous nos protocoles effectivement, de livraison. Donc il y a eu tout un travail qui a été mis en œuvre de, euh, évidemment, juste barrière, mais de, de, livra de livraison pardon, sans contact qui était extrêmement importante aussi pour rassurer le consommateur et bien sûr pour protéger éventuellement de, de, de risques sanitaires mais au-delà de la protection il y avait un énorme rôle de communication là-dessus et d'ailleurs dans les, dans les tendances que le Covid a accélérées c'est cette notion de ben, finalement c'est safe de se faire livrer euh, des repas ou euh, des repas à domicile et c'est vrai que ce qu'on a pu voir c'est qu'énormément euh, de euh, on va dire de, de consommateurs qui n'avaient pas coutume de commander euh, ces plats de restaurant euh, à domicile, ou qui n'avaient, euh, ou même des, des, des régions ou des, ou, des, ou des villes de France qui n'avaient pas, on va dire, ce business aussi développé. On a vu qu'il y a eu une accélération de la maturation du marché euh, parmi ces segments géographiques ou ces segments de, de consommateurs, et également dans les tendances que ça a accéléré. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais. Nous, euh, on a vraiment vécu ça comme l'occasion d'augmenter notre lien euh, avec nos partenaires, nos partenaires restaurateurs et nos partenaires, euh, nos livreurs partenaires. Avec les restaurateurs, euh, dès le jour 1 euh, du confinement, on a eu euh, énormément d'interrogations, puisque eux-mêmes ne savaient pas s'ils allaient continuer à opérer, être ouverts complètement, être ouverts juste pour la livraison, fermer complètement. Et on a vu dans les 48, voire premières heures, j'allais dire presque les 48 premiers jours, énormément d'allers-retours. Et notre rôle a vraiment été de s'inscrire auprès d'eux en tant que partenaire. Partenaire d'abord pour les aider à, euh, euh, à identifier comment mieux opérer dans un monde où les salles sont fermées et où la livraison prend beaucoup de place. Euh, ça veut dire les aider aussi à identifier quels sont les bons menus, quels sont les bons moyens marketing pour se mettre en avant, quels sont aussi les bons protocoles de livraison, puisque eux aussi ont dû mettre en place ce qu'on appelle le, non pas la livraison sans contact, mais le pick-up sans contact. Donc il y a eu énormément de travail opérationnel auprès d'eux, et puis euh, on a cherché effectivement à les aider à développer leur chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a par exemple euh, mis en œuvre de nouveaux types de, de business model avec eux, avec ce qu'on appelle le click and collect, qui est finalement, on va dire, la livraison, enfin pas la livraison, la, la possibilité de commander sa commande en ligne, mais de venir aller la chercher donc sans, euh, sans billet de, sans inter intermédiation pardon, par de la livraison. Euh, pareil pour les restaurants. On a aussi travaillé sur des mesures financières pour les aider. Donc typiquement, ce click and collect, on l'a démarré avec ce qu'on appelle du freemium, en, disant, en leur permettant d'avoir finalement accès à ce service-là sans payer de commission pendant un moment. Également en modifiant, on va dire, la fréquence de paiement, enfin euh, de, 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 de nos paiements euh, vis-à-vis d'eux. Donc il y a eu énormément de mesures vis-à-vis -vis des restaurants, et ça fait partie de ces choses où on a amélioré le lien avec les restaurants, amélioré notre partenariat. Et d'ailleurs, vu de très nombreux restaurants nous rejoindre pendant la période, puisqu'ils ont été 3000 à nous rejoindre euh, entre eux, on va dire, avant le, la crise du Covid et maintenant. Et enfin, troisième temps de la danse, puisque pour nous, c'est un, un des piliers fondamentaux, c'est effectivement euh, tout le travail que l'on fait avec nos livreurs partenaires, où on s'est attaché à évidemment garantir euh, leur sécurité, euh, puisque la livraison, hein, euh, la livraison de, de repas a été identifiée comme un un élément essentiel pour l'économie. Donc, le, le gouvernement a souhaité maintenir cette activité comme une activité essentielle qui a permis aux consommateurs les plus vulnérables d'avoir de quoi s'alimenter ou, euh, euh, j'allais dire, aux femmes qui travaillent, mais les hommes aussi, euh, d'avoir la livraison de repas à la maison pendant qu'on a les enfants à gérer, qu'on travaille en même temps et que c'est pas facile. Donc, il y a eu vraiment cette vocation euh, de, 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 essentielle de, 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 de l'offre. Et, du coup, dans ce contexte-là, on, a beaucoup, euh, euh, on, va dire, on, on doit beaucoup aux livreurs partenaires avec lesquels nous travaillons, donc ce sont les travailleurs indépendants, mais sans lesquels on ne serait pas là aujourd'hui, et grâce à qui euh, on a réussi à, à, à délivrer ce service essentiel, et on a pris effectivement l'engagement d'améliorer leur sécurité et de vraiment travailler euh, pour leur permettre d'opérer euh, en toute sécurité. Et enfin, dernier point, puisque tout ceci, on va dire, c'est les trois piliers on va dire, importants de notre business, j'allais dire. Comme l'a mentionné Julia, on a eu effectivement nous aussi des actions conscientes de notre rôle essentiel, de dire comment on peut aider la communauté. Et de la même façon que d'autres intervenants, nous avons cherché à aider en fournissant de la nourriture au personnel hospitalier, grâce à la collaboration de nos consommateurs, de nos livreurs partenaires et des restaurants, dont la générosité a finalement permis, on va dire, de faire le bien autour de nous. Alors on va quitter le monde de la livraison de nourriture à domicile un instant pour aller plutôt du côté de chez vous, Elisabeth. Qu'est-ce que vous avez vu pendant cette crise chez vos clients Quelle réaction qui vous, a, qui vous a laissé penser que finalement il fallait tenter peut-être deux, trois choses différemment Oui, bah, d'abord aussi ravi d'être avec vous. Uh, et peut-être que je dirais quelques mots sur Conto, uh, comme uh, c'est uh, oui c'est un secteur uh, différent. Donc, Conto a été fondé en, en 2016 uh, par uh, des fondateurs uh, qui cherchaient vraiment simplifier uh, la gestion financière pour les entreprises. Uh, et uh, cette mission est devenue, je dirais, uh, encore plus forte uh, pendant uh, pendant la crise uh, où uh, uh, la gestion de l'argent, de payer uh, des salariés. Uh, euh, de vérifier que l'argent euh, est sûr, euh, c'était encore euh, plus, plus important. Euh, et, euh, et chez Conto, c'est à la fois euh, le fait d'avoir un concurrent et puis après de simplifier euh, aussi, euh, d'avoir euh, aussi des. Euh, de la gestion des, des frais des cartes bancaires euh, qui peut être fait aussi euh, digitalement euh, et aussi de se synchroniser aussi avec des outils euh, comptables afin de, de faire gagner du temps euh, pendant euh, une période quand même difficile où, euh, où tout de suite on, on se pose des questions comment est-ce qu'on va, est qu va avancer avec l'entreprise et, et les employés et, et je, je reprends un peu ce, que, ce qui a été dit. En fait, dans un sens, le plus important, c'était de, de rassurer nos clients qu'on était toujours là pour, pour eux. Et plutôt, ça a plutôt révélé d'aller plus vite les, les forces de compte, à la fois d'être 100% digital et aussi le fait de service client et la, la transparence. Et euh, du coup, concrètement, euh, qu'est-ce qui était important? Il y avait des personnes qui avaient besoin d'ouvrir des comptes, qui avaient besoin de créer des entreprises pour justement <laughs> créer des entreprises, même pour participer euh, dans, dans les différents domaines pour, pour aider. Et c'était quelque chose qui a pu être, être fait dans, dans quelques minutes d'une manière facile en ligne. Et puis aussi euh, nos clients, euh, ils avaient besoin euh, aussi d'un service client qui était disponible jours sur 7 euh, avec euh, des questions et euh, aussi, euh, je pense que ce que ça a révélé aussi euh, une transparence euh, aussi dans, dans la communication où euh, c'était euh, nos équipes de communication que très vite, il fallait, euh, euh, il fallait expliquer, euh, trouver une façon de, de communiquer, euh, à la fois rassurer, mais aussi euh, même euh, reconnaître quand on a eu des, des, des quelques soucis qu'il y avait des délais de livraison des cartes, euh, de communiquer pour éviter des mauvaises surprises. Uh, et puis uh, aussi d'essayer de, de trouver des solutions de manière très réactive. Uh, donc par exemple, on a vraiment mis en avant nos cartes virtuelles pour, um, uh, pour uh, rendre possible les gens d'avoir de, uh, des, um, des cartes virtuelles et, et, et payer en ligne. Et je pense qu'on va revenir dessus, mais clairement, le, je pense que le challenge de ça est de continuer à innover. Euh, L'innovation c'était vraiment dans nos équipes et euh, le fait qu'on a pu euh, continuer à, à soutenir cette croissance, de soutenir nos, nos clients euh, et ça, ça a obligé euh, d'un jour à l'autre, euh, un changement de comment on travaille euh, ensemble, euh, comment se on sert euh, nos, euh, nos, nos clients. Um, afin de, uh, de bon, enfin de deliver sur, uh, sur notre promesse uh, sur, sur no, nos clients et de aussi uh, protéger, uh, nos, uh, um, protéger nos, nos employés donc je ne vais pas répéter ce que vous avez dit mais c'est quelque chose qui tous les jours encore uh, um, c'est un travail uh, toujours de, de, de tous les jours uh, afin de nous permettre de continuer à recruter de emborder les équipes euh, et créer une ambiance euh, euh, pour permettre nos équipes de travailler dans, dans les bonnes conditions. Et concrètement, ce réflexe d'innovation se fait comment, vraiment dans, dans le concret du quotidien C'est-à-dire, c'est les clients qui appellent, qui disent, euh, il me faut une nouvelle solution, ou euh, vous réunissez les équipes et vous dites, euh, là, on a une chance d'y aller, il faut qu'on fasse autrement. Comment ça s'est fait très concrètement Je pense que c'est vraiment deux choses. Il y a un qui est vraiment en écoute des, des clients. Euh, c'est le fait qu'on est très près euh, de nos clients, que bon, je regarde sur Slack euh, des commentaires, on regarde sur euh, le, les réseaux sociaux, euh, on parle à nos clients euh, tous les jours, euh, on est client nous-mêmes. Et, euh, euh, et la deuxième chose, c'est d'être très réactif et je crois que toutes nos équipes... Ils sont très très euh, réactifs et euh, si je parle des valeurs de, de Conto, euh, c'est vraiment des valeurs à, à la base de Conto, euh, à la fois d'avoir cette ambition de bien servir nos, nos clients, euh, ce qu'on appelle mastery qui est tous les jours de constamment s'améliorer, donc ce n'était pas un choc de changer de l'or à lendemain. Les équipes, j'étais euh, très fier parce qu'ils étaient prêts. Um, et puis aussi, uh, clairement, l'intégrité de continuer à toujours réfléchir à nos employés et à nos clients. Uh, et finalement, c'est vraiment le, le teamwork, c'est vraiment ce travail d'équipe, uh, uh, parce que c'est uh, dans le fait que quelqu'un prend le temps de écouter quelqu'un qu'on voit qu'il n'y a pas simplement les risques de COVID de santé mais aussi des risques d'isolement d'autres risques que, et je pense que c'est à la fois le Timor qui permet de protéger nos équipes et puis aussi de permettre des bonnes conditions pour du coup aller au-delà et servir nos clients euh, la gestion des salariés et des travailleurs est forcément un peu euh, plus particulière, peut-être dans le secteur de la livraison euh, alimentaire, parce qu'on a ce, ce modèle euh, dual, donc euh, de salariés en interne et de travailleurs en externe. Euh, comment vous avez géré euh, le, la mobilisation des salariés en, en intégrant cet aspect-là, euh, peut-être en commençant par, euh, par Frischti? Euh... Euh, nous, on a considéré que les livreurs qui travaillaient pour nous étaient comme nos... enfin, devaient être mais, protégés au même titre que nos salariés. Euh, donc, euh, on a transformé tous nos process opérationnels. On a mis en place la livraison sans contact euh, on a euh, fermé certains de nos sites logistiques qui ne permettaient pas de respecter suffisamment de distanciation. On a fait tourner nos cuisines à marche ralentie pour pouvoir avoir moins d'effectifs sur place présents à un même moment et faire des équipes A, B, C, euh, changer tous nos process pour s'arrêter tous les quarts d'heure de travailler, de cuisiner, de préparer pour se laver les mains et désinfecter l'ensemble des surfaces. Donc ça a été la mise en place de tout un protocole sanitaire extrêmement... beaucoup plus lourd que ce qu'on avait l'habitude de faire. Après, on est des restaurateurs, donc c'est notre métier aussi que de savoir respecter des mesures d'hygiène, on les a juste un petit peu euh, renforcées. Euh, et après, je dirais que ce qui a été peut-être un petit peu plus compliqué, euh, ce n'était pas la différence entre les auto-entrepreneurs et, et les personnes sur le terrain en interne, mais plus la différence entre les salariés du siège qui, eux, pouvaient travailler de chez eux et ne pas prendre le risque, ne pas prendre les transports en commun, ne pas prendre le risque d'aller sur le terrain, versus tous ceux qui étaient sur le terrain. Alors qu'on est une entreprise qui, voilà, a beaucoup d'activités en interne et espérons créer vraiment une vraie cohésion et solidarité entre les, les équipes. Et là, il y avait une injustice de fait que certains devaient se lever et aller bosser et sortir et prendre un risque, et les autres pouvaient rester chez eux parce que manifestement leur travail ne leur envoyer un email ne nécessite pas d'être dehors sur le terrain. Donc déjà, on a essayé de créer des ponts et d'inviter beaucoup les gens du siège, même si on les obligeait pas à se rendre sur le terrain et à aider les. les, les de les, les effectifs sur le terrain, parce qu'en plus, il y avait quand même pas mal d'absentéisme en raison parfois de cas euh, Covid, etc. Et puis euh, aussi, les équipes du siège, pour le coup, elles ont euh, énormément travaillé aux initiatives de solidarité dont j'ai parlé. On a quand même euh, voilà, euh, monté, euh, distribué des repas dans les hôpitaux, monté un collectif pour les sans-abri, on a distribué 34 000 repas aussi pour les sans-abri, fait énormément de choses qui ont collectivement donné beaucoup de sens euh, à notre mission d'entreprise. Et on avait l'impression de voilà faire continuer l'activité oui pour nos clients mais aussi pour les personnes âgées on a monté une hotline aussi pareil gérée par les gens du siège pour que les personnes âgées puissent passer commande par téléphone et pas avoir à passer commande vers les applications et en fait il s'est trouvé que c'était aussi devenu presque une hotline pour les personnes âgées seules où globalement c'était leur seul point de contact humain pendant la journée donc quand les équipes terrain ont vu que le siège se mobilisait d'une manière extraordinaire pour mener ces actions de solidarité en fait on s'est tous sentis ça, ça a été en fait un moment extrêmement fort de culture d'entreprise et ça nous a beaucoup rassemblés. Et donc, euh, je pense qu'on a évité euh, voilà, un écueil potentiel et ça n'a pas été facile. Et oui, tout le monde n'était pas traité à la même enseigne, mais on s'est tous vraiment bougé euh, pour, euh, pour, pour, euh, pour s'en sortir et aider le, le plus de, de personnes autour de nous. Voilà. Alors, pour rebondir sur ce qui a été dit sans, sans répéter, euh, deux, trois points que vous avez mentionnés que j'aurais pu tout à fait euh, euh, évoquer également. Tu as parlé de euh, écouter le consommateur, écouter le restaurateur, écouter le livreur partenaire. C'est évidemment, ça a été un must. L'agilité, le pragmatisme en interne, ça a été extrêmement, c'est-à-dire bluffant, mais presque émouvant de se dire comment tout le monde a envie de se relever les bras devant un tel défi. Et tu parlais de culture d'entreprise. C'est vrai qu'on a vu un élan de solidarité et on avait vraiment vu une culture d'entreprise qui s'est renforcée malgré, en effet, la distance et le travail de la maison. Alors. Pour la partie livreurs partenaires, il faut savoir que Deliveroo travaille euh, avec euh, euh, environ 11 000 euh, livreurs partenaires, euh, qui sont donc des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, et euh, qui euh, avaient la possibilité de continuer à travailler. Alors j'insiste sur le mot possibilité, c'est-à-dire que le, le gouvernement a, 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 a décrété, on va dire, que l'activité de livraison était une activité essentielle, donc qui pouvait continuer à opérer. Et nous avons évidemment laissé le choix à ces livreurs partenaires de décider ou pas de continuer à opérer. Donc, la première chose, c'est que les livreurs qui ont travaillé avec nous pendant cette période-là sont des livreurs qui le faisaient en décidant de le faire et finalement en étant aussi heureux de pouvoir apporter cette contribution financière à leur, 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 leur finances on va dire, familiale. Ceci étant dit, notre, notre mission a été vraiment de garantir leur sécurité et leur... dire leur sérénité. C'est vraiment les deux choses, c'est-à-dire que d'un point de vue sécurité, on a parlé de toutes les mesures barrières et, et autres choses sans contact, mais il y a effectivement tout un protocole sanitaire qui a été développé, la livraison de masques, la livraison de coupons de réduction pour s'acheter des masques et des gels pour ceux qui n'avaient pas la livraison des masques arrivée tout de suite. Et il y a eu aussi la mise en œuvre de, de fonds financiers pour les aider, à savoir une indemnisation en cas de, de... une compensation en cas de cas Covid ou de cas quarantaine pour que les personnes puissent s'arrêter de travailler tout en étant indemnisées. Et donc c'est vrai que comme on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment eu cette, cette augmentation du lion. Avec les, 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 les livreurs partenaires qui nous, nous donnent envie de continuer la démarche qui est la nôtre, à savoir de continuer à pousser pour euh, à la fois maintenir la flexibilité de ce statut d'auto-entrepreneur, flexibilité qu'ils demandent, avec aussi la possibilité de leur garantir des, des, la sécurité ou, de, ou, de, ou des, des mesures euh, euh, sociales qui leur permettent d'avoir la protection qu'ils méritent, puisqu'encore une fois, ils ont été euh, formidables pendant toute cette période. Merci. Merci à toutes les trois. Notre temps est écoulé. Peut-être avant de vous quitter, je fais un petit sondage dans la salle. Euh, pour la fin de l'année 2020, ceux qui pensent qu'on est plutôt côté opportunité, levez la main. Ceux qui pensent qu'on est plutôt côté menace, gardez la baissée. Plutôt, plutôt mitigé, mais on va dire optimiste. Allez. Merci beaucoup de votre Merci attention. Merci à vous. Merci. Merci. Bonjour à tous, euh, merci d'être là. Euh, le sujet de, qui nous anime aujourd'hui, ce sera de, de comprendre, alors le titre est un petit peu accrocheur, certains m'ont dit, ils ont raison, euh, Benetton versus Exécution, comment créer une véritable équipe inclusive. Euh, ce thème euh, anime particulièrement les deux personnes que je reçois aujourd'hui et je les remercie. Euh, avant de les présenter, je vais, je vais juste rapidement, de manière impolie, me présenter. Donc, moi, Benjamin Biton, je suis le trésorier de France Digital et je suis le fondateur d'un cabinet euh, de ces finances qui fait du, du conseil euh, en direction financière pour les startups. Et euh, le constat qu'on a eu avec Taïg, avec France à travers France Digital, c'est de, de voir qu'il manquait euh, un peu, voire beaucoup. D'inclusion et de diversité dans cet écosystème, non pas que ce soit un souhait de l'écosystème, mais que malheureusement, un certain nombre de personnes n'avaient pas les codes, un certain nombre d'entrepreneurs n'avaient pas les codes et avaient les bonnes idées pour pouvoir grandir. Euh, donc, moi, j'anime aussi le, le programme French Tech Tremplin, euh, qui est justement euh, l'animation euh, d'un groupe d'entrepreneurs qui souhaitent se développer, qui ont des idées, qui ont été sélectionnés par des jurys. À qui on donne euh, l'opportunité euh, de rencontrer euh, d'autres entrepreneurs qui eux ont réussi et euh, on leur explique comment réussir dans cet écosystème qui est un petit peu normé, qu'on le veuille ou non, avec beaucoup d'anglicisme, avec beaucoup de, de mécaniques très euh, très habituelles pour nous, mais qui ne le sont pas forcément pour tous. Euh, donc maintenant, je vais peut-être laisser euh, nos deux euh, invités de de la, de la journée euh, se présenter. Je commence peut-être par toi, Laure. Merci. Bonjour à tous. Euh, donc moi je suis Laure Némé, je suis CTO de Litchi puis de Mangopay depuis environ 10 ans. Euh, donc euh, Litchi je, je ne présente plus, Mangopay pour ceux qui ne connaissent pas c'est une solution de, de paiement et de gestion de monnaie électronique euh, qui est faite à destination des plateformes de crowdfunding, des places de marché et des fintechs. Euh, voilà où en fait on prend en charge euh, toute la partie en particulier euh, régulation financière euh, pour, euh, pour nos clients. Euh, ceux qui ne connaissent pas et qui veulent en savoir plus, on a un stand euh, dans, euh, euh, ici à FDD, donc venez nous voir. Euh, voilà, euh, moi le sujet de la diversité me touche parce que bah, je suis une femme dans la tech, euh, que j'ai été confrontée à un sexisme malveillant ou bienveillant suivant, euh, suivant les, les cas, et que ma, mon enjeu à moi, ça a souvent été euh, d'exister en tant que CTO et professionnel, et pas pour ce que je pouvais éventuellement symboliser en tant que diversité. Voilà. Et donc, euh, et donc à partir de là, bah, je, comment dire euh, Quand je suis arrivée chez Litchi, on s'est retrouvé dans une situation un peu particulière où bah, j'ai été embauchée par Céline lazort, la fondatrice, donc une CEO qui a embauché une CTO. On s'est retrouvé dans une situation vraiment euh, inédite, en fait. De deux femmes, du qui travaillaient dans une start-up, on était vraiment en dehors des, euh, des, des schémas habituels. On a dû, euh, du coup, ben, euh, travailler effectivement, sur, enfin, sur la, sur la manière euh, donc de, de fonctionner ensemble, sur le fait de se respecter pour nos, nos, nos expertises euh, chacune. Et, du, et de fil en aiguille, la, la diversité et l'inclusion c'est vraiment devenu une valeur forte de Mangopay. Euh, une comment dire euh, vraiment ça fait maintenant partie en fait de l'ADN de, de l'entreprise et on considère que ça fait partie de nos forces et de notre moteur d'innovation voilà donc je viens faire un, un retour d'expérience en fait euh, sur euh, sur, euh, sur ce qu'on met en place ce, ce, sur Mangobec pour cultiver ce, ce sujet merci Taïk, à toi peut-être Alors, ben, moi pour me présenter, bon, ben, je m'appelle Taïk Riz, j'ai la chance maintenant de faire partie du board de France Digital, c'est vraiment un, un honneur pour moi puisque maintenant quelques, depuis quelques années je suis entrepreneur, mais pourquoi le sujet de la diversité me touche tout autant, autant en tout cas c'est vraiment par rapport à mon éducation et d'où je viens. alors je vais essayer de vous résumer ça en deux minutes. Mais globalement voilà ma mère est grecque, mon père algérien, je suis, arrivé, je suis né en Algérie, je suis arrivé en France à l'âge de 5 ans. Mes parents évidemment sont très modestes et, euh, et ils ont décidé quelque chose d'assez dingue. Parce qu'ils ont, ils ont décidé de ne jamais me scolariser. Alors, quand je vous dis jamais, c'est même pas une journée en maternelle, donc j'ai aucun diplôme, j'ai jamais été à l'école, etc. Et, et quand j'étais gamin, mes parents avaient aucune peur du futur, malgré qu'on n'avait pas d'argent, parce qu'ils avaient confiance en la vie et ils se disaient euh, il faut qu'il fasse les choses avec passion et à partir de là, il réussira. Mais l'entourage avait peur. Et l'entourage, j'entendais toujours cette, ce, ce mot qui revenait quand j'étais gamin, de d'amis qui disaient à mes parents euh, vos, "Vos enfants, parce que mon frère aussi n'a pas été à l'école, vont finir balayeurs de rue, quoi." Et donc j'ai grandi avec ça, mais moi j'avais aucune peur du futur puisque j'étais passionné. J'ai eu la chance de devenir sportif et, et de faire ce saut de la tour Eiffel que vous avez pu voir et donc aller au bout de mon rêve, de mes rêves là-dessus. Mais à nouveau, j'étais euh, estampillé en quelque sorte avec un cachet de sportif. Et à six ans en arrière, euh, quand je me suis cassé la jambe une fois de plus et que j'ai été sur ce lit d'hôpital, je me suis dit ben, pourquoi rester dans ma zone de confort et refaire du sport Je vais essayer d'aller dans un univers complètement différent, essayer de me lancer dans le monde des télécoms. Alors oui, je suis tout seul, je suis sur le lit d'hôpital, je n'ai pas d'argent de côté, je n'ai jamais fait d'études, je n'y connais rien dans les télécoms, mais j'ai des idées et cet espoir de créer quelque chose dans les télécoms et même un opérateur mobile mondial. Et c'est là que j'ai vu que finalement l'industrie m'avait tellement mis une étiquette, même si j'étais connu en quelque sorte en tant, en, tant, en tant que sportif, on me refermait carrément la porte en tant qu'entrepreneur et encore plus dans, dans, en tant qu'entrepreneur dans un milieu qui avait rien à voir avec mon milieu d'origine. Et, et le fait de ne pas avoir, voilà, fait d'études, etc., tout ça, c'était un frein. Et donc au début, je ne pouvais pas lever des fonds avec des fonds traditionnels et avec de la passion, de l'enthousiasme et des idées, on arrive à soulever des montagnes. C'est ce que j'ai fait. Pour arriver à créer ma boîte, j'ai convaincu 130 personnes qui m'ont donné chacun un peu d'argent pendant 4 ans. Comme ça, j'ai rassemblé 10 millions d'euros et j'ai créé finalement une boîte qui commence à tourner. Et 4 ans après, les fonds ont rajouté euh, 10 millions d'euros de plus, 10 euh, euh, fois plus cher que ce que j'avais globalement proposé 4 ans après. Et maintenant, si on fait le bilan, donc j'ai créé cette société qui s'appelle o on, on fait à peu près 10 millions de CA par an on est euh, 65, on a créé donc un opérateur dans plein de pays. J'ai inventé plein de brevets dans les télécoms parce que je suis devenu un incollable dans les télécoms. Et donc. Tout ça, c'était des barrières, finalement, que, que euh, j'ai réussi à soulever, mais pas tout seul. J'ai surtout réussi à soulever ces barrières parce qu'à chaque fois que je ne savais pas, j'appelais des copains ou je demandais à droite à gauche à des personnes qui, eux, savaient comment lever des fonds, comment créer son dossier, comment euh, trouver son idée, euh, comment gérer son pack d'actionnaires, comment euh, euh, créer son board, etc. Des milliers d'idées que tous les entrepreneurs ont besoin. Et finalement, le, le message que j'essaye de porter et l'idée que j'ai ici à France Digitale, c'est de me dire, le nerf de la guerre, c'est vraiment malheureusement la connaissance. C'est que moi, je n'avais pas les codes. J'ai jamais eu aucun code puisque je viens d'un milieu où on m'a donné aucun code. Et il a fallu, au petit à petit, qu'on m'apprenne les codes ou que je les apprenne en demandant à, à droite à gauche. Et je vois que beaucoup de jeunes ou moins jeunes, filles ou garçons évidemment ont des superbes idées de start-up et des trucs incroyables, mais ils ont simplement pas les codes de cette petite industrie parisienne en quelque sorte de, 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 du monde de la tech. Et donc je me suis dit, au lieu de, c'est bien sûr, je, je suis hyper content de participer au programme tremplin et pouvoir aider euh, euh, à tous, les, tous ces jeunes start upers et entrepreneurs de leur donner les codes, etc. Mais j'ai envie d'aller plus loin. Et donc l'idée que je suis en train de porter ici à France Digitale, c'est de donner la parole à tous les entrepreneurs, étrangers, français, de la province, de Paris, de, ben, vraiment tout le monde, de donner des conseils sur chacun des éléments. Donc c'est encore un projet en construction dans ma tête que je vais que je vais soumettre, mais globalement c'est en quelque sorte comme une chaîne YouTube par segment où vous avez toutes les questions à vos réponses et où vous allez avoir toutes les vidéos par segment donc vous voulez voir comment on constitue un board et eh ben je donnerai les conseils comment j'ai constitué mon board mais pas que moi et tous les entrepreneurs donneront des conseils donc il y aura peut-être 50 vidéos comment constituer un board comment gérer son pack d'actionnaires 200 vidéos etc et donc on va faire beaucoup beaucoup de contenu pour donner des conseils à tous ces entrepreneurs parce que si je suis là aujourd'hui c'est parce que je les ai eus en prenant finalement un par un les conseils à tout le monde depuis ces cinq ans, vu que je n'y connaissais rien et que je partais en bas de l'échelle. donc voilà, voilà, voilà un petit peu mon histoire et, et voilà ce que je vais essayer d'apporter à la communauté pour que tout le monde, qu'il soit d'en bas ou d'en haut, on puisse avoir les clés de la réussite. Voilà. merci et bravo à tous les deux. ce qu'on peut constater, c'est que vous avez un point commun fort, tous les deux, c'est votre personnalité, votre force de persuasion. de persuasion, pardon. Euh, mais ce qui est important aussi, peut-être, de voir, c'est que vous avez constitué tous les deux, au sein de vos équipes respectives, une certaine diversité. Et qu'est-ce que cette diversité vous apporte à tous les deux aujourd'hui, le au sein de vos entreprises respectives À toi, l'honneur. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte Alors, pour vous donner quelques chiffres, euh, sur Mangopay, on est sur la totalité de l'entreprise, on a une équipe quasiment mixte. Je crois qu'on est à 49 de femmes. Euh, comment dire, euh, on est à presque entre 35 et 40 sur les équipes techniques, ce qui est assez remarquable. Euh, on, on a 19 nationalités représentées sur 150 personnes, et puis aussi d'autres points de diversité sur des choses qui sont un peu moins mesurables, donc j'en parlerai pas là. Euh, moi, en tant que manager, ça m'apporte enfin, plusieurs choses. D'une part, euh, ça permet de ne pas se priver. De talents qui existent dans la tech, c'est évident que euh, se priver en particulier de euh, euh, comment, euh, des, des femmes dans la tech, euh, c'est extrêmement dommage. Alors qu'on manque énormément d'ingénieurs, euh, euh, ça permet de fidéliser les employés, de faire qu'ils se sentent bien dans l'entreprise et qu'ils sont inclus. Ça permet de les fidéliser. Et aussi, moi, ça m'apporte quelque chose en, sur les sujets d'équité et euh, comment, comment dire de responsabilité sociétale, tout simplement. En tout cas, mon sujet, là, mon, mon, mon avis là-dessus, c'est que je suis pas un grand partisan généralement des, 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 des quotas. J'ai beaucoup été aux États-Unis et je voyais, par exemple, dans les films, il y a des quotas, il y a tout ça, etc. Et je suis pas partisan de ça. Je suis partisan vraiment, évidemment, 100% de la, de la diversité, mais finalement, elle se fait très naturellement à partir du moment, comme le point que j'ai énuméré avant, où on, où on a les clés puisque chaque personne est différente et arrivera à apporter quelque chose totalement différents à la communauté et justement apporter des boîtes vraiment vraiment différentes. Donc évidemment je, 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 je le fais même au sein de mon équipe et, en, et on soutient et en, à 100% la diversité, mais j'essaye de ne pas me focaliser là-dessus, j'essaye beaucoup plus d'ouvrir de, 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 les chakras de tout le monde, parce que plus on en ouvre, et ben plus on aura des entrepreneurs et des entrepreneuses totalement différentes qui vont venir dans la tech et qui vont apporter à la tech. Euh, euh, ben de nouveaux projets, de nouveaux univers et, et c'est ça qui est, qui est important donc je pense que c'est de cette façon en tout cas où je peux apporter de la diversité Alors en construisant ce, ce petit taux qu'on s'est justement euh, vu un point commun tous les trois, c'est de se dire et tu viens de me piquer la question d'après Taïg c'est que la diversité ne devait pas être une norme et ne devait pas devenir un carcan dans le développement, mais aujourd'hui euh, si je vais un peu plus loin, quelles sont les solutions qui existent pour créer une équipe diversifiée Naturellement, sans avoir à s'imposer des quotas, ce que tu disais. Comment vous voyez les choses tous les deux Alors déjà, on peut peut-être définir ce que c'est que la, la diversité. La diversité, c'est pas euh, des personnes qui vont représenter la diversité au sein d'une équipe. C'est le fait, c'est bien le fait que le groupe ou l'équipe est elle-même hétérogène sur ces dimensions de genre, d'origine géographique et sociale, euh, d'études euh, euh, ou d'éducation, d'orientation sexuelle, etc., etc. Ce qui fait que voilà, le groupe est hétérogène et c'est euh, fonctionner ensemble, en fait. Euh, au sein de Mangopay, quelque chose euh, je pour... sur, sur la manière de en tout cas, constituer une équipe diverse, c'est évidemment le sujet de, euh, du, du, du recrutement. Chez nous, les équipes de recrutement, autant côté RH que côté manager, elles sont sensibilisées au sujet. Euh, et donc, c'est tout un, tout un ensemble de choses mises en place euh, dans, sur le recrutement. Donc, déjà, ça part de l'offre d'emploi. Les offres d'emploi, on les fait en écriture inclusive on fait attention au vocabulaire qu'on met dedans on enlève euh, les prérequis de diplôme. On ne met pas de prérequis diplôme dans nos offres d'emploi volontairement parce que du coup on, on, on veut valoriser l'expérience des gens et pas une certaine formation initiale. Hum, on a un diversity statement euh, dans nos offres d'emploi qui dit qu'effectivement, quel que soit votre parcours, etc., si vous pensez que vous pouvez faire le venu, venir, bah, venez postuler. Hum, et, euh, et enfin aussi, dans le processus de recrutement, on fait attention à ce que les, les personnes de l'entreprise qui rencontrent les candidats et les candidates il représente la diversité de l'entreprise pour que les candidats et les candidates puissent se projeter dans cette dimension de l'entreprise. C'est super. Sur le recrutement, tu as tout à fait raison que c'est hyper important de, de couper les barrières, de, en tout cas des, des diplômes, pour pouvoir donner la chance à tout le monde. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, on... Ce qui est plus important à la, à la fin qu'une liste de diplômes, c'est quelqu'un qui, qui va grandir avec la boîte, qui va être dynamique, qui va apporter une bonne énergie, et même s'il n'est pas expert au début, qui va apprendre vite et qui va monter les échelons. Donc je suis totalement partisan là-dessus, et c'est vrai que donner aussi la chance à, 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 voilà, à plein de gens dans toutes les régions, etc. Il y a, en fait, quand tu regardes toutes les boîtes de tech, on est toujours à la recherche de profils, on n'a jamais assez de profils c'est quand même incroyable, donc c'est clair que ce qui est génial en France c'est qu'il y, y a plein de choses qui se font sur l'éducation pour, pour former différents profils comme ça, mais, mais il faut aller plus loin parce que clairement c'est pas suffisant puisque toutes les boîtes, moi je cherche des profils j'imagine que tu dois en chercher tout, le, tout le aussi et toutes les boîtes en est, on est dans le même, dans le même cas alors Ça, c'est top parce que vous avez l'air de tous les deux complètement euh, avoir pris en compte dans vos sociétés respectives ce, ce critère-là, sans que ce soit un critère, justement très naturellement, ce critère de diversification des profils. Maintenant, concrètement, moi, j'accompagne pas mal de boîtes je suis au conseil d'administration de certaines boîtes. Le constat clair que je fais, c'est qu'il y a 40%, 50%, 60%, parfois 100% du de diplômés des quatre plus grosses écoles d'ingénieurs des quatre plus grosses écoles de commerce. Moi, je suis partisan pour ne pas avoir fait ces quatre plus grosses écoles, justement, qui est plus de profils variés et différents. Comment on fait pour que les boîtes oui. de notre écosystème, qui est très novateur sur plein de choses, le deviennent aussi là-dessus Mais ça, ça c'est vraiment, je pense, en tout cas, en donnant les clés, ça permet d'avoir le même langage. Je le vois, par exemple, avec des, avec des investisseurs, des fonds d'investissement. Si ils ont face à eux un entrepreneur qui n'a pas le vocabulaire, la façon de pitcher, la façon de structurer le deck, etc., etc. Il y a vraiment un mismatch et les choses ne fonctionnent pas. Et donc, dans ces écoles, comme tu dis, on apprend en fait ces cases. Mais tout s'apprend. Il suffit de, 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 de connaître comment ça fonctionne et là, et là on, peut, on peut arriver à débloquer n'importe quelle barrière. Donc, euh, je pense que ça va aider. Après, ce n'est pas une solution optimale, mais je pense que ça va aider. Alors moi je, moi, je suis pas dans le cas, de euh, d effectivement, d'entrepreneurs qui n'auraient pas les bons codes euh, pour, par exemple, euh, aller, aller, aller chercher des fonds. Moi, je suis dans un cas où, euh, je, globalement, je recrute quand même des, euh, des développeurs et euh, d'autres métiers de la, la tech et des développeuses, évidemment, euh, et... Euh, et du coup, c est, c est le, le, enfin, comment dire, le marché est un peu en sens inverse. Hein, de toute façon, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment, enfin, euh, on s'arrête pas du tout à l'identité des gens ou à ce qu'ils n'ont pas les codes. En fait, euh, ce qui nous intéresse, c'est savoir euh, quelles sont leurs compétences, qu'est-ce que, est-ce qu'ils peuvent apprendre, est-ce qu'ils peuvent être, enfin, quelles, quelles sont leurs motivations, etc. Et euh, s'ils n'ont pas les codes, s'ils ne savent pas quelle est la techno, enfin, connaissent pas la techno machin ou, euh, ou le framework truc, en fait, je m'en fiche, en fait, sur les quand, quand je recrute. Donc voilà, donc euh, on est euh, le... la rareté des profils fait que de toute façon on, on s'intéresse à recruter des profils divers. Et en, en tout cas un, un dernier point, Alors, pas, il nous reste encore trois minutes, c'est pas pour finir, mais en gros un point important, c'est que non seulement on véhicule vraiment le message puisque c'est la vérité que n'importe qui peut y arriver à n'importe quel niveau, d'où, voilà, quel que soit son cursus, son rang social, son, euh, de, son pays, etc. Et surtout, on en a besoin. C'est-à-dire que quand on regarde maintenant, c'est en quelque sorte un petit peu euh, dramatique de voir que les, les, les vrais géants en réalité sont quasiment tous américains ou chinois. Et on n'a pas en, en Europe et encore moins en France arrivé en tout cas sur la data unipersonnelle, je veux dire les systèmes de messagerie, etc. Tout se passe aux US ou, euh, ou en Chine. Et donc il faut qu'on arrive à, à changer notre façon de faire pour avoir des entrepreneurs de génie qui vont complètement casser les codes et qui vont arriver à, à sortir de terre, même en 2-3 ans, des géants qui vont gratouiller des Facebook, etc. Et on voit que c'est carrément possible quand, quand, par exemple, TikTok, en 3 ans, arrive à faire peur à, à, à Instagram et vaut des, 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 des centaines de milliards. Ça prouve que, même, même que c'est pas encore trop tard pour créer quelque chose de très, très grand. Mais ça, c'est tellement dur à trouver... Une idée extraordinaire pour créer une croissance concurrente à des Facebook ou à des, à des Amazon ou à des Google, il faut qu'on qu qu donne plus d'esprit et des esprits totalement ouverts qui viennent de, de milieux totalement différents pour arriver à trouver cette perle rare. Voilà. Alors, sans, sans trop vous chatouiller, mais sans briser l'optimisme que tu as, et tu as tout à fait raison, ma question c'est que ça fait quelques années par exemple, chez France Digital, on parle d'améliorer. Et là, je lisais le baromètre France Digital EY tout à l'heure 10 ou 12% des CEO sont des femmes. Donc, comment, pourtant, c'est un sujet qui revient et qui revient, comment on change la donne et comment on marque les esprits pour arriver à une diversité, qu'elle soit, comme tu disais, d'âge, de sexe, de, de, prof, de, de parcours universitaire Comment on y arrive, selon vous Alors, pour les CEO, c'est moi mon domaine, donc je ne vais, vais pas répondre, mais je vais répondre sur les CTO et sur les femmes dans la tech. Euh, on fait des rôles modèles tout simplement. Euh, moi, je suis proche d'un groupe de, de femmes dans la tech qui s'appelle euh, Duchesse France. le sujet, c'est effectivement d'être là sur les conférences, d'être là, euh, enfin, euh, enfin d'être très visible, pour se dire que c'est possible et pour que, euh, ben, ne serait-ce que les jeunes filles, les étudiantes, les femmes qui commencent leur carrière, elles se disent ouais, on peut aller là et c'est un rôle qui peut être fait pour moi et je peux me projeter dedans. Non, non, mais là, c'est, tu as tout à fait raison. C'est clair que plus on aura. Euh, euh, des femmes qui vont, qui vont avoir cette aura et qui vont devenir des, je veux dire, des, des géants de la tech et ça va comme quand je faisais du roller quand je faisais du roller évidemment il y a plein de gamins qui se sont mis à faire du roller parce qu'ils m'ont vu sauter de la tour eiffel et ben, il, faut, il faut créer vraiment la même énergie avec toutes ces, ces femmes entrepreneurs et, euh, et ou même voilà n'importe qui de tous les milieux c'est hyper important et après que l'industrie eux-mêmes les gens de cette industrie que ce soit les fonds etc sortent de leur code mais je pense qu'ils sont en train de le faire hein, de plus en plus du moins j'espère que, que je crois qu que, que, que c'est en train d'arriver mais après peut-être pas assez bah, Merci à tous les deux, on aura compris qu'il faut plein de mini lore et plein de mini-taïgs pour construire le monde de demain et euh, merci encore de venir justement représenter euh, des choses un peu des alternatives différentes on parle souvent de métriques de chiffres de progression de croissance dans toutes ces sociétés qui sont à forte croissance par définition mais c'est bien de s'arrêter un petit peu discuter de tous ces sujets-là merci à tous les deux ouais. merci à merci toi merci. en tout cas d'avoir animé ce panel ouais. super merci Bonjour à tous ou rebonjour à tous. Donc euh, Frédéric Mazella, coprésident euh, entrepreneur de France Digital et euh, Pierre Louette. PDG du groupe euh, Les Écoles Parisiens. Bonjour Frédéric. Bonjour Pierre. Content de te retrouver. <laughs> oui, content. Merci hein, de, votre, euh, de votre soutien sur ce prix. On expliquera pourquoi c'est important. Euh, vous savez euh, ce que sont les talent awards? c'est la suite d'un beau projet lancé il y a quelques années qui s'appelait Revient Léon, qui était devenu les Wonder Léon Awards, qui s'appelle maintenant euh, les Talent Awards. Le, la vocation des Talent Awards, c'est de mettre en avant les euh, très belles équipes euh, généralement survoltées qui sont derrière les beaux succès euh, dont on lit les lignes parfois dans, dans vos colonnes. Et euh, c'est très important non seulement évidemment de montrer que ce sont des gens et des équipes qui font ces choses-là, mais aussi de, de mettre en avant. Euh, ces réussites là euh, aussi pour attirer du talent Oui nous on aime bien dans les échos euh, en particulier vous connaissez tous la page euh, consacrée aux start-up, on aime bien mettre en avant des histoires de, de femmes et d'hommes de plus en plus de femmes, je sais que tu es attaché également à ce rééquilibrage au sein de la tech qui sont derrière les entreprises il y a la levée de fonds, il y a le montant il y a l'objet de l'entreprise mais il y a aussi celles et ceux qui font le boulot et je sais que tu es attaché aussi à ce que des talents reviennent de l'étranger et puis également à ce que les CDI soient de plus en plus nombreux et je crois qu'ils le sont dans les recrutements. Oui, les dernières statistiques, c'est 86% des, des métiers créés dans les startups sont des CDI. Euh, donc, en fait, on crée. C'est une manière de voir hein, très nettement qu'on crée les emplois du futur, parce que quand on crée des CDI, c'est qu'on a suffisamment confiance en l'avenir pour se dire que ce ne sont pas des métiers temporaires, euh, ni de passage, mais qui sont vraiment des, des portes d'entrée vers des carrières plus longues. Euh, donc, c'est vraiment ce qu'on souhaite mettre en avant, et aussi, euh, eh bien, euh, justement, participer au fait que ces sociétés-là, étant mises en avant, non seulement servent de rôle modèle pour d'autres, mais aussi euh, attirent. Les, euh, des talents d'un petit peu partout, de France et de l'étranger, euh, puisque on a des stats qui nous donnent que euh, 68% des CEO considèrent que euh, le plus grand frein à leur croissance, c'est le recrutement. Euh, moi-même je l'ai vécu évidemment chez BlaBlaCar pendant des années euh, c'est véritablement un, un frein on passe son, son temps à recruter dès qu'on voit quelqu'un d'intelligent on a envie de le recruter et, euh, et heureusement on en croise beaucoup donc euh, du coup les Talent Awards c'est l'occasion de mettre en avant ces sociétés au delà de ça on a choisi aussi de d'angler un petit peu euh, ces prix là vers ce qui nous semble être important et ça rejoint d'ailleurs une partie du discours du Président de la République hier soir à l'Elysée sur notamment euh, les forces de la France et peut-être aussi évidemment de, de l'Europe euh, qui qui, euh, qui consiste à aller puiser eh bien, dans ces valeurs euh, ancestrales euh, des, des choses à mettre en avant, des, des Manière de faire de, de la tech et de, et de l'économie euh, peut-être un peu différente de ce qui est fait sur dans d'autres régions de la planète. Et euh, donc, dans les prix, ça se retrouve, puisque vous allez voir qu'il y a des prix comme euh, pour la démocratie, euh, des prix euh, pour la diversité, évidemment, euh, au-delà des prix un petit peu plus, euh, évidemment, classiques dans le monde start-up qui sont euh, global et puis euh, branding, donc pour une belle marque. Et euh, on a aussi un beau prix euh, Stronger Than Covid euh, qu'on qu va pouvoir remettre. Enfin, vous allez voir ça, il y a sept prix cette année. donc le, le septième qu'on a rajouté, c'est Stronger Than Covid. Et donc, euh, eh bien, je crois qu'on va pouvoir commencer. Alors, je rappelle d'ailleurs, avant qu'on qu entame, que euh, tous les lauréats, tous les gagnants seront rappelés sur scène à la toute fin pour faire une photo tous ensemble. C'est important, je vous dis ça, parce que l'an dernier, on ne l'avait pas dit au début. Et puis, donc, à la fin, on s'est retrouvés. Et puis, les gens n'étaient plus là. Donc, euh, sur la photo, c'était moins joli. Euh, voilà. Donc, et je, je souhaite à tout le monde de pouvoir passer sur cette scène. Euh, alors on va commencer euh, sur l'annonce de l'EREA. Alors on a des, des super sponsors qui, euh, vous allez voir, à chaque fois soutiennent cet élan justement de mise en avant de tout l'écosystème et des talents qu'il y a dans l'écosystème euh, qui vont euh, pouvoir apparaître chacun sur scène à chaque fois pour remettre les différents prix. Euh, donc... On va commencer, et je ne sais pas s'il est 17h18, mais sur le, sur le planning, il était prévu qu'il soit 17h18 au moment où je dis ces lignes. Euh, donc je vais, euh, je vais bientôt appeler Cédiscount qui remettra le prix justement Stronger Than Covid. Euh, donc Stronger Than Covid, c'est une équipe qui, bien qu'ayant été fortement touchée par la pandémie, a su rebondir et ou, euh, a mené des initiatives altruistes pendant la crise. Voilà. Donc euh, les nominés sont euh, Miracle, Vendredi, Open Classroom, Feed, Brigade et United Credit. Voilà. Ouais. Et donc j'appelle Marie Evan, euh, DGA de Cdiscount, ouais. qui va pouvoir nous révéler euh, la suite, ce que tout le monde attend. Merci, merci pour votre invitation. Euh, Cdiscount est très heureux de remettre ce prix euh, parce que le Covid ça a été euh, un moment euh, inédit où le numérique a montré qu'il était présent aux côtés des Français. Nous, on l'a vécu en tant que plateforme de e-commerce et je crois que le gagnant a lui-même apporté une solution plus qu'utile à un moment où ceux qui en avaient le plus besoin, et en particulier les soignants, et donc on remet ce prix à Miracle. Bravo. Bravo, Bravo à Miracle. miracle. Alors, est-ce qu'il y a un miracle Pour l'application Stop Covid-19. Alors c'est la place de marché Stop Covid-19 oui, qui a permis justement d'acheminer beaucoup de, de matériel dans les CHU et dans différents endroits qui en avaient besoin en, en un temps record. Je crois que c'est en 48 heures une équipe de 40 personnes mobilisées chez Miracle qui a pu faire ça. Voilà, l'un d'entre vous va récupérer le, le prix. Bravo Je dire un mot peut-être. Merci beaucoup. Je pense que c'est un projet qu'on a tous fait avec beaucoup, beaucoup de passion. Toutes les équipes ont été quasiment mobilisées. On faisait des roulements pour que chaque personne puisse participer, contribuer à stop Covid, parce qu'on avait nos métiers en, en parallèle. On est vraiment très heureux d'avoir eu un impact. Et voilà, c'était vraiment un travail d'équipe en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc ne partez, Bravo. Pas, ne partez pas complètement, si vous voulez bien rester jusqu'à la fin de, de la cérémonie. Alors une chose qu'on n'a pas précisée tout à l'heure, peut-être que ça vaut la peine de, de le rappeler quand même, le jury euh, s'est tenu il y a une semaine, Frédéric. On était euh, réunis autour de toi, président du jury, qui fixe les règles du jury chaque année un peu mieux. Oui, bah... Il y a du vécu là. C'est surtout quand il y a égalité, il faut, faut un moyen de trancher. Il départage, il, débat, il tranche assez clairement. On était avec e Eric Labbé de Polytechnique qui n'a pas pu être là, je n'ai pas vu. Peter Zemski de l'INSEAD et Yann Lechel de Scaleway qui nous accueillait en plus. Donc c'était un jury qui en a beaucoup débattu, très intéressant euh, et qui a essayé d'apporter euh, des choix euh, Intéressant et important, vous le verrez dans la suite des prix. Alors, deuxième prix, le prix Governance. Donc, il s'agit là de récompenser une équipe qui met en œuvre avec succès un processus de prise de décision efficace et inclusif au sein de son organisation. On a beaucoup travaillé sur euh, l'inclusif, c'est évidemment un thème qui monte. Vous pouvez nous rejoindre, c'est IP Paris qui va euh, euh, le faire. Euh, les nominés étaient Luco, Evaneos, Wacam, Backmarket et Make.org. Et on va donc dévoiler le vainqueur de ce prix. Alors, euh, au nom de l'Institut polytechnique de Paris, effectivement, moi je suis tout à fait ravi de donner le prix de gouvernance à Back Market. Et donc, quelques petits mots d'abord hein, avant de, de, les, de leur donner officiellement le prix, bien sûr. La gouvernance, c'est sans doute le sujet le plus structurant pour qu'une entreprise puisse se développer. Et euh, surtout dans des moments difficiles où elle a besoin de résilience, c'est quelque chose qui est absolument important. Et en matière de gouvernance, on connaît aussi l'adage « culture eats a strategy for breakfast » et donc euh, Bark Market est quelque chose qui est très intéressant puisqu'ils ont une culture structurée autour de cinq principes. Et donc je vais les expliquer parce qu'ils ont beaucoup insisté là-dessus et donc euh, je pense que c'est important. Alors le premier principe, je ne vais pas faire le geste, mais je vais quand même essayer de, de transmettre l'émotion. C'est « this is Sparta voilà. ». Quand vous avez peut-être vu le film, quand Léolinda Das se met un grand coup de pied sur euh, l'émissaire de Xerxes, parce qu'il voulait lui expliquer qu'ici, on s'est auto-organisé nous-mêmes, merci beaucoup, et donc euh, on a une action dans le sens de l'esprit collectif. Alors le deuxième, c'est ⁇ It's not green enough ⁇ je pense que ça suffit à lui-même, ⁇ One loving and free spirited tribe ⁇,⁇ Think deep, ⁇ Decide fast ⁇ pour faire ses propres décisions rapidement, et ⁇ Minimum resources, maximum impact ⁇ alors, c'était une approche collective visant l'efficience et fondée sur une valeur encore plus fondamentale, celle du sabotage et la culture du hacker. Et donc, c'est une culture qui prend ses racines, bien sûr, sur la confiance donnée aux gens et leur capacité à toujours trouver des solutions face à l'adversité. Pour conclure, à un titre personnel, bien sûr, au nom de l'Institut Polytechnique de Paris, nous sommes ravis de donner ce, titre très imp... enfin, ce, ce prix très important, puisqu'on a aussi. Euh, des démarches de co-construction et collaborative euh, dans la manière dont on va développer notre institut pour mobiliser l'énergie de chacun. Et en plus, en tant que directeur de Télécom Paris, la première école d'ingénieurs du numérique, bien sûr, une, une culture de hacker, ça nous parle beaucoup, hein, puisque euh, dans le domaine de l'informatique, bien sûr, c'est quelque chose de très important pour nous. Alors pour conclure, et puisque effectivement, euh, on est là aussi pour dire pourquoi le jury a particulièrement apprécié ce qui a été présenté. Bien sûr, je l'ai dit, Back Market a une culture très forte et tout à fait particulière. Et ils ont fait un travail particulièrement impressionnant pour définir from scratch cette culture et aboutir à des valeurs différenciantes. Donc, pas les lieux communs qu'on a tous déjà entendus sur leur respect, la responsabilité ou l'ambition, mais quelque chose qui est vraiment différenciant. Et alors, petit point quand même important, puisque nous sommes en France, ils ont ouvert de nouveaux bureaux récemment à Bordeaux. Et donc, je voudrais leur dire bravo à eux, bravo à Back Market. Bravo, Back Market, les saboteurs. Bravo, bravo, on est très fiers bravo. de Back Market de manière générale, de tout ce que vous faites. Euh, D'ailleurs, un petit mot sur les prix. Vous avez vu les prix, la forme qu'ils ont. C'est une équipe donc avec euh, plein de gens qui se tiennent les uns sur les autres et qui montent euh, un petit peu plus haut. Euh, on est très heureux de, de, du look de ce prix-là euh, qui récompense véritablement euh, les équipes. Alors, pour continuer, euh, c'est Scaleway qui va remettre le prix euh, For France. Euh, non c'est pas Scaleway qui a gagné j'ai entendu c'est Scaleway <laughs> qui remet le prix <laughs> voilà. donc euh, Alban Bruyas, CEO de Scaleway va nous, euh, va nous rejoindre pour cela et donc euh, le prix For France donc euh, une équipe qui, écarne, qui incarne la marque et l'écosystème français au niveau local et ou international et donc euh, c'est un prix qui va évidemment à, à toute l'équipe euh, les nominés sont Innovafeed, Botify Recommerce Meilleurs Agents, Trésor. Et Yubo, et donc Alban brias, sans plus attendre, va nous expliquer qui a remporté ce prix d'après le jury. Et ça a été très dur de les partager. Exactement. D'abord, je tenais à vous dire que c'est un vrai honneur pour Scaleway et pour moi de vous présenter le Talota One for France parce qu'il correspond très bien, si bien à la vision que nous avons chez Scaleway et que nous résumons par le cloud qui fait et donne du sens. Et maintenant, plus que jamais, nous devons penser... Et mener notre nouvelle économie numérique vers un souci des impacts environnementaux, sociaux et économiques. Et c'est ce que nous avons trouvé dans le gagnant de ce prix. Car le gagnant de ce prix, qui vont bientôt me rejoindre sur scène, montre chaque jour leur détermination à grandir dans une économie responsable et globale, tout en, pr pas, -moi, tout en préservant leurs valeurs et leur identité française. Une identité française que nous pourrions définir aujourd'hui, ici, comme hautement technologique. Avec une vraie conscience sociale et écologique. Et plus qu'être conscient, il s'agit d'incarner ces valeurs et de montrer que la France peut et doit être le moteur de ce changement à travers le monde. Scaleway est donc fier de soutenir le Prix for France. Avec le jury, nous avons retenu le gagnant pour plusieurs raisons. D'abord, leur croyance en une économie durable et juste qui donne un accès à la technologie pour tous. Leur persévérance pour faire avancer leur marché et les lois qui l'encadrent. Et dans la bonne direction. Mais surtout leur investissement dans une économie circulaire, qui leur permet d'afficher des chiffres qui nous ont impressionnés. 80 000 tonnes de CO2 et 100 000 tonnes de matières premières économisées. Leur pugnacité, qui leur ont permis de remporter des contrats mondiaux afin de diffuser leur modèle vertueux à travers le monde. J'ai donc l'immense plaisir d'inviter l'équipe e-commerce sur scène. Bravo! Bravo à eux! Alors, merci beaucoup France Digital. Pour nous, c'est un réseau qui nous tient beaucoup à cœur. On veut construire un écosystème mondial pour lutter contre le gaspillage. Ça fait 11 ans qu'on existe. Les chiffres de notre impact écologique sont forts. C'est notre motivation première pour toutes les équipes, dont on représente Karine, qui est notre RH, et l'équipe de recrutement. Notre vrai capital sont l'ingénierie, la capacité à lutter contre ce gaspillage et à reconditionner des équipements électroniques. Grâce à vous, grâce à tous nos prestataires, les logisticiens qui livrent les smartphones en 48 heures, les techniciens qui réparent, vous qui revendiez, qui achetez du reconditionné. Merci, on n'est qu'au début d'une révolution du commerce. Et chez Recommerce, on a un cri, on va vous le faire. Recommerce On l'a refait parce que... Recommerce La révolution du... Merci beaucoup. Bravo, c'est Bravo. un ballet, une chorégraphie. Merci beaucoup donc à, à cette, cette équipe formidable aussi et Scaleway qui, qui nous a hébergés pour les, pour les débats autour, autour du prix. Alors, le prochain prix, il nous va droit au cœur aux, aux échos, mais je pense à chacune à chacun d'entre vous aussi. C'est un prix for democracy, donc pour la démocratie. Ce n'est pas si fréquent d'ailleurs qu'on re, recense et qu'on cherche des startups ou des scale up qui ont un impact dans ce champ-là. Recommerce déjà a un impact puisque c'est une entreprise engagée dans ce sens où les entreprises cherchent à s'engager pour la planète et à donner un sens collectif à leur action, à produire de la valeur, mais au-delà de produire de la valeur, à produire de la valeur qui préserve la planète. Et là, on a des sociétés qui étaient nominées euh, Bodyguard, Fairphone, Livementor, Lexbase, MobiTravel, des équipes qui, dans leur travail, veulent promouvoir la démocratie ou la protéger. Et vous allez voir qu'avec euh, l'entreprise qui a le prix, on a identifié et retenu qu'une société qui entend nous protéger contre un des pires mot dont on est victime, c'est-à-dire le, 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 la façon dont on peut être sali en ligne, la façon dont les images sont déformées, la façon dont les réseaux sociaux sont également envahis de contenus qui méritent d'être éliminés. Et là, vous avez une société qui sait faire ça. Je pense que c'est un enjeu extrêmement important pour nous et aussi d'ailleurs pour la crédibilité d'Internet et, et de, de son sens en général. Donc on va les recevoir un instant. Et donc le vainqueur est Bodyguard qui est quelque part par là, Bodyguard, Bodyguard, une entreprise assez jeune en fait. Il est là. A One Man Company, pas tout à fait quand même, mais on va... Merci beaucoup. Euh, non, on, a, on a une grande équipe, mais on est à Nice, donc c'était difficile de, de faire venir tout le monde. Euh, la démocratie, effectivement, ça nous tient énormément à cœur. Bon, je, je peux faire un long, long discours, mais je vais être court. Euh, en fait, c'est la vérité. Qu'est-ce que la vérité Et c'est la question que vous vous devez vous poser quand vous allez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde peut dire tout et n'importe quoi sans être contrôlé. Et c'est ça la vraie, le vrai problème de la démocratie. C'est que chacun a une parole à dire et chacun a un avis. Et malheureusement, il y a des avis qui ne sont pas forcément bons. Il y a des commentaires qui sont très haineux. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Et on est là pour protéger ces individus-là. Je pense beaucoup aux hommes politiques, aux journalistes et aussi à des influenceurs. Il y a des gens qui ont 12, 13 ans, ont des talents extraordinaires. Et qui ne peuvent pas l'exprimer parce qu'ils ont peur de se faire attaquer. Et ça, c'est pas normal. Donc notre idée de la protection de la démocratie, c'est la protection en fait de la créativité, ce qui est un peu au centre des, des logiques aujourd'hui. Bravo. Bravo, merci à vous. Bravo et merci. merci. beaucoup Alors pour la suite, euh, c'est Deliveroo qui va remettre le prix branding. Alors, le prix branding, c'est euh, une success story sur la gestion de la marque et l'engagement communautaire au niveau mondial. Ça récompense donc principalement euh, l'équipe marketing et communauté euh, d'une société. Les nominés sont Malt, Home Exchange, Mano Mano, MWM et Ledger. Et donc, j'appelle euh, Melvina Sarfati El Grabli, euh, General Manager de Deliveroo, pour nous remettre le prix à la société qui a remporté... Les votes du jury. Bienvenue. Bienvenue Mélina. Bienvenue Elmida. Merci. Euh, bonjour à tous. Euh, Ravi d'être là pour euh, remettre ce prix. Euh, avant de dévoiler à qui nous allons remettre ce prix, le, le jury avait visiblement, euh, avant même d'en débattre, une intuition, un favori, parce que parmi les candidats, euh, certains candidats ont su se démarquer dans leur communication et avoir une communication particulièrement, on va dire, décalé et pour ceci avoir donc du coup un, un très très fort impact et créer beaucoup de brand love. J'ai le plaisir donc de remettre le prix de branding à Mano Mano. Bravo. Je vous invite à nous rejoindre sur scène. Mano. Alors, on... bravo. 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 Je vais dire vous Alors on est ravi de, de, de vous remettre ce prix au nom du, du, du jury. Euh, on a été particulièrement, on va dire, euh, séduit par différents aspects euh, de ce que vous avez fait. L'un d'entre eux, c'est que savoir s'imposer dans un monde de marketplace sur un marché euh, qui est, on va dire, euh, historiquement pas forcément très glamour, puisque euh, le bricolage, c'est compliqué d'en faire quelque chose de glamour et vous avez réussi. Donc ça, un grand bravo en étant à la fois décalé et finalement en engageant votre communauté. Euh, avec aussi euh, dans le branding, il y a toujours un, un côté recall, c'est-à-dire faire en sorte que votre, votre euh, pub, on va dire, marque les esprits avec euh, les jingles sonores. Évidemment, euh, vous y avez contribué, donc avec votre ton, avec euh, votre, euh, euh, on va dire, branding, finalement, vous avez réussi à, à engager une grande communauté. Donc un grand, grand bravo par, euh, pour ça, et euh, on espère que maintenant que votre marque est euh, très établie, vous allez pouvoir euh, continuer à alimenter cet engagement de communauté que vous avez créé. Bravo. Bravo à ah, vous. Merci beaucoup. Euh, pour nous, c'était un gros, gros investissement. On est une marque qui s'est construite sur des piliers d'acquisition et investir sur la marque, ce n'était pas évident. Euh, je crois qu'on peut remercier nos patrons de nous avoir fait confiance, d'avoir pris le risque, d'avoir eu de l'audace. Et puis autre chose, cette campagne elle a été lancée la veille du confinement. Ça aurait pu être euh, la fin du monde pour nous. Et en fait, ça a été un facteur d'accélération. On a vu que ça a marché super bien en France, en Espagne et en Italie. Et du coup, on a été plus loin. On a lancé des pays en médias qu'on n'avait pas prévu de lancer, l'Allemagne et l'Angleterre. Donc euh, si j'ai un mot de la fin, c'est euh, la créativité sert la performance. Donc faites-vous confiance à vos services marketing et aussi à vos agences. Bonne journée. Très beau message. Merci. Et bravo à vous. Pendant que Manu Mano va se rasseoir. Donc, le prochain prix euh, qui sera remis par notre ami euh, membre du jury de l'INSEAD, le doyen adjoint Peter Zemski. Donc, le prochain prix, c'est le prix global. Voilà. Donc, l'INSEAD, forcément, c'est global. Et il s'agit de récupenser une, une success story dans le développement à l'international, dans l'expansion. Des gens qui ont su grandir très vite et grandir et dépasser les frontières et euh, gagner une part de marché, une part d'audience importante un peu partout. Donc, Peter, euh, je vais te laisser remettre le prix. Les nominés étaient Shift Technology, WeFight, Fight, Klaxoon, Dashlane, euh, Home Games et Devialet. Et Peter, tu vas dévoiler le vainqueur du prix global. Right. Okay, comme un global, je vais prendre liberté de parler en anglais. Okay, so um, on behalf of INSEAD, the original and still leading international business school, we're really really happy to um, sponsor this prize. Um, I think it's hugely important. Obviously, global is we maybe we're biased, but we think of it as one of the most interesting parts of business, working across cultures, amazing challenges, and especially in these periods that are so fractured and politically fraught we think that the tech and business community can do a lot to build those bridges. But actually, for this group here, I think the Global Award is especially critical because tech is really only about two things. One, as Fred keeps telling us, talent. And the other is scale, right? So, if you, in a sustainable way, given the economics and digital, if you're gonna keep attracting and motivating and challenging and paying the best global talent, you need scale and one of the challenges you have in france is you've got that classic trap of a mid-sized country when you start small france looks big and you can get totally focused on serving that market but it's not big enough in most segments to make you a global winner and so one of the challenges in tech is to already start thinking about how you're going to globally scale early on a um, hugely strong field to stay these companies Think about global, changing their culture um, early on. So, here we go. Here's a few words about the winner and see if you can guess. So, um, a couple of years ago, when they did their most recent funding round, it was all going to be focused on global expansion. They executed beautifully with partnerships with leading um, players in their space like Dropbox and Microsoft, so that when COVID hit, they were ready with some really amazing collaboration tools. That would be soon Bravo! Well done, guys! Bravo! Excellent! Thank you, Peter. Should we do it in English as well? Uh, non, uh, yeah, okay, comme, comme vous voulez. Merci, uh, merci à tous, merci à france Digital pour cette uh, belle uh, marque de, de reconnaissance uh, sur l'empreinte uh, à l'international de, de Klaxoon. Vous dire qu'on peut aller conquérir le monde aussi depuis la Bretagne où nous sommes toujours basés aujourd'hui. Euh, on a pensé nos produits, notre organisation dès les premiers instants en 2015 pour aller se projeter rapidement à, à l'international et, et cinq ans après, eh bien nous avons des millions d'utilisateurs dans plus de 120 pays. Euh, une marque de reconnaissance de la part de nos partenaires technologiques cet été, Microsoft Corp nous décerne le, le prix partenaire de l'année sur des outils de collaboration. Euh, voilà, plein, plein de belles choses. Des lancements de produits et aujourd'hui des équipes qui euh, eh bien, adressent tous les pays, soit depuis les États-Unis, soit euh, depuis la, la France. On a démarré à Rennes avec euh, des commerciaux qui adressaient tous les pays du monde en horaire décalé. Euh, C'est vous dire comment on a aujourd'hui évolué avec des bureaux aux États-Unis et l'ouverture d'un prochain bureau à Singapour. Merci à tous. Thank you. Bravo. Bravo. Merci. 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 Alors, un petit mot avant de passer à la suite. Parce que c est, c est, je voulais remercier aussi, à titre assez personnel, uh, Peter Zemski, parce que son soutien est sans faille depuis uh, longtemps. Peter était mon professeur de stratégie uh, à l'INSEAD. Pour moi, il parlait anglais, et c'était ça. Après 15 ans de connaître, j'ai découvert qu'il parlait français last year. Uh, donc, uh, Peter, Peter parle très bien français, si vous voulez lui parler juste après. Merci beaucoup. Um, donc... La suite, c'est le prix Diversity qui sera remis par la Société Générale. Alors, Diversity, dans la dénomination que l'on a écrite, c'est une équipe qui a fait de la diversité une partie essentielle de sa culture d'entreprise et ou qui s'efforce de créer un monde technologique plus inclusif. Et donc, j'appelle Marie-Christine Ducholet au nom de la Société Générale pour remettre ce prix, le prix Diversity. Très bien. Alors, je n'ai pas les nominés. Ah oui, alors les nominés. <laughs> Donc euh... les nominés sont Isaiah, ou Isaïd, on on prononce comme on veut. Paper Nest, Voodoo, cooptalis Trésor et Golden Bees. Très bien. Mais écoutez, j'ai le plaisir d'annoncer que ce prix a été remis à cooptalis parce que cooptalis effectivement représente 25 euh nationalité, 20 langages différents. C'est une équipe très féminine qu'on va accueillir. Venez, et venez puis, euh, c'est une équipe qui aide aussi non seulement à... il y a peut-être un homme aussi, mais quand même majoritairement féminine, ce qui, dans le monde de la tech, n'est pas si important. Et puis, euh, c'est une équipe où, en fait qui aide à le, les gens non seulement à trouver un travail, mais à s'adapter à de nouvelles cultures et les entreprises à intégrer des cultures différentes. Donc, euh, effectivement, un exemple de diversité et bravo à eux pour ce prix. Bravo, bravo, Copptalis. Les talents sont sans frontières, voilà la, la devise. Donc, euh, à qui se renel J'ai une grosse voix, mais... Je le reprends après. C'est gentil. Voilà, un grand merci de la part de toute l'équipe. Merci à France Digital, merci au jury. Euh, donc je voudrais vraiment associer toute l'équipe, parce que euh, je pense que le, le, la thématique du prix euh, euh, correspond vraiment aux valeurs de l'entreprise. C'est une réussite collective, euh, Coptalis, aujourd'hui c'est euh, 700 collaborateurs. On a commencé à Lille, il y en a aujourd'hui dans, dans plein de pays, il y a plein de nationalités, il y, a, il y a des gens qui viennent du monde entier, et on a su créer finalement une, une osmose entre toute cette équipe euh, issue de territoires de, de et d'origines très différentes, même d'origines professionnelles très différentes. Et du coup, ça a créé, euh, voilà, ça, ça fait boom dans notre métier, et, euh, et aujourd'hui, c'est une, une entreprise française qui s'exporte dans le, dans le monde entier, et on arrive vraiment à, à avoir un impact très fort sur le l'avenir professionnel de, de, de plein de gens et sur aider des entreprises également à développer leur activité. Donc un grand merci pour, pour votre prix et puis on va continuer sur notre chemin. Continuez bien. Bravo. Alors j'en profite en fait pour annoncer, je vais appeler Caroline Rama de 15 Tech sur la scène, parce qu'on voudrait annoncer le lancement aujourd'hui du challenge, du challenge Female FinTech for Good. Qui, va, qui a pour but de récompenser euh, des startupeuses qui créent des, des fintechs, euh, donc qui créent ou cofondent des fintechs euh, qui ont euh, dans la finance un impact positif. Voilà, donc Caroline, si tu veux en dire un peu plus. Oui, bonjour à tous. Donc nous, on est 15 Tech, on est une startup qui euh, en fait permet de faire une plateforme de matching euh, qui favorise la connexion entre les femmes de la tech, les entreprises et puis euh, les investisseurs. Donc aujourd'hui, on est là euh, pas pour notre SAS de recrutement, on a déjà beaucoup de clients qui sont cités un peu partout, mais parce qu'on s'associe avec la Société Générale pour aller chercher les meilleurs euh, female founders en Europe euh, pour collaborer avec la Banque de Retail qui auront un impact for good or green. Euh, donc voilà. Donc si vous connaissez des startups qui correspondent à ces critères, euh, je crois qu'il y en a quelques qui, euh, qui se lancent sur ce segment en France mais euh, également partout en Europe, euh, n'hésitez ben, pas à les faire postuler et ils vont gagner un accompagnement avec la Société Générale. Le but, euh, vous voulez peut-être en dire un peu plus Oui, il y un accompagnement, donc du mentoring, il y aura un incubateur et puis le but est d'essayer de faire des POC pour développer notre offre-produit avec un aspect social ou environnemental avec les FinTech. Voilà, soyez nombreuses. Bravo. Bravo pour cette belle initiative également. Alors, euh, donc le, les Talent Awards touchent à leur fin. Je vais remercier, évidemment, euh, déjà vous remercier tous, remercier toutes les équipes qui ont participé, euh, remercier nos sponsors, sans qui ce ne serait pas possible, évidemment, d'organiser ces, euh, ces prix-là. Euh, donc nos sponsors, C-Discount, euh, Institut Polytechnique de Paris, Scaleway, Les Echos, euh, Deliveroo, INSEAD, Société Générale, euh, qui nous soutiennent et continuent à valoriser toutes les équipes, euh, tous les talents de notre écosystème. Euh, pour, la suite. pour la suite. donc on voudrait rappeler Miracle, Back Market, Recommerce, Bodyguard, Manu Mano, Klaxoon, Cooptalis. Si vous voulez venir peut-être par là pour faire une photo collective, ça serait formidable pour, pour l'événement. Merci beaucoup à vous. On a besoin de, de talents, de, de milliers, de centaines de milliers de talents. Il y en a ici. L'an prochain, à nouveau, sous un soleil écrasant, puisque c'est la tradition de, de ouais, cette remise fait de prix. C'est quatre ans que, voilà. que tous les ans, on commande prêt. le beau temps et on l'a. Eh bien, on l'aura. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Et merci, merci, Pierre. À, merci à toi. À bientôt. Bravo à tous. essayer de venir sur la, sur la scène là, en espérant qu'elle tienne le coup. Ouais. Tout le monde avec ses masques malheureusement, mais bon. Donc venez si vous voulez installez-vous. Les très très grands derrière, ouais. mélangez-vous, mélangez-vous. On espère que ça ne va pas tomber, en même temps si ça tombe c'est pas très haut, Non. mais quand même. <laughs> en dessous il y a une trappe. Ah, Frédéric, en dessous il y a la trappe à start-up. Il ah, y a une trappe, <laughs> bah oui. Parce que là, si, 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 si tout le monde tombe l'écosystème ouais. va le ressentir. Ah oui. Voilà, venez, Peter aussi. Tout le monde, tout le monde, on a tout le monde Alors c'est là qu'on sourit, on regarde les photographes officiels et tous les photographes moins officiels, mais on les regarde aussi, mais surtout les photographes officiels. Et on sourit. Montrez vos prix, hein. On en fait une Wahoo alors 3, 2, 1, waouh Bravo à tous, bravo à tous. Donc on rappelle la liste, hein. Stronger than Covid, Miracle, Governance, Back Market, For France, Recommerce, For Democracy, Bodyguard, Branding, Mano Mano, Global, Klaxoon. Et Diversity, Coop Talis, bravo à tous, merci beaucoup. The story of how great love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love he brings to me. Where do I? sound. Girl. She now talks to herself. But I remember when she worked every hour that God sent All she wanted